Well, du coup, on est reparti sur Nexomoon. On est allé chercher des pierres la dernière fois. Il faut donc qu'on se retépétasse à la toundra gelée. Mais ouais, c'est cool la Gretsuko. J'aime bien. Et ouais, Monsieur Yuni. Comment que ça va-t-il bien? Fallait aller à la. Et coucou Chaos, merci beaucoup pour ton raid. Et bienvenue à tous les chaoteurs et à toutes les chaoteuses. Welcome. Welcome dans le Grand Nord. Enfin, il fait froid comme IRL là-bas. Petit coffre. Non mais j'ai que des poupées dans les coffres maintenant. I don't want de poupées. Bon, demain. Coucou Rayleigh, comment que ça va? Demain, je mets en vente mon siège et mon micro. Ça y est, c'est officiel. Je me sépare de ces deux chaises qui me font mal au dos. Enfin, je me sépare. Quelqu'un veut bien me les acheter. Tu n'es pas du coin, n'est-ce pas? On a beaucoup de bandits qui se faufilent dans la cité ces derniers temps. Tu m'as l'air plutôt suspicieuse. Super. Ah, et bah coucou, coucou qu'en audio, Rayleigh. Coucou quand même. Allure. J'ai pas eu le temps de pexer cet après-midi. Je faisais les boutiques sur internet. De quoi? Ouais, j'ai pas compris, KO. Deux. Dit. Ah, dédicacé! Lol. Oui, je peux vous dédicacer mon siège qui fait mal au cul et mon micro que là tu m'entends. Et que là tu m'entends plus. Et que là tu m'entends. Yay! Tout est possible! Je me suis retapé la fin où la hyène lui dit enfin ce moment. Fini. Acheté, j'ai tellement aimé. Ouah, j'ai rien compris. Je me suis retapé la fin où la hyène lui dit enfin ce moment quand il s'est remis lui aussi acheté. Ouais, j'ai rien compris. J'ai rien compris! C'est ça, vous êtes tous bourrés ce soir? Allô? Le micro avec bave véritable de chaos et surtout poil véritable de chat qui pue. Surtout. Pour les fans à nos objets rares, ce serait pas un cadeau. Ce serait pas un vrai cadeau, Rayleigh. Vraiment, il est nul ce micro. Il est nul. Il me tue le dos. Le combo micro de merde et chaise de merde. C'est pas un bon bail. Ce serait pas gentil. Ce serait pas très sympa, quoi. Non, mais je vais essayer de vendre ça pas cher. Je me dis qu'en vrai, le fauteuil pour quelqu'un qui passe pas sa vie, le cul collé dessus, ça va très bien. Et le micro, bon, pour quelqu'un qui passe pas sa vie collé dessus, ça va très bien aussi, quoi. Moi, je suis retapé. Mais c'est pareil. Il manque des mots. Moi, je suis retapé. Ok. Je me suis, je suppose. La fin où la hyène lui dit enfin ce moment. Quand il s'est mis lui aussi à chanter, chanter, j'ai tellement aimé que je l'ai re-regardé. Je comprends un peu mieux, mais je pense qu'il manque des mots. Mais ok. Mais ouais, la série est cool. La série est très cool! Touk. Le live puzzle. Eh les gars, même quand les phrases elles sont complètes, j'ai du mal d'habitude, alors. Faites un effort, merde! T'étais sur quoi de beau au fait, KO? J'ai même pas demandé. Je ne suis pas polite. Qu'est-ce que ça fait de beau ce soir? Il m'a fait un mal un petit peu là, non? Ça va.
Sonic Unleashed. Le Sonic Garou. Je connais pas. Genre vraiment, un Sonic Garou? Non, parce que j'en veux pas. Je ne prends que des attaques puissantes, moi. Satané bandit, mais je ne suis pas un bandit, ville gredine. Ouais, j'ai à peu près compris. Je sais pas trop à quel moment tu fais allusion, parce que bah, je l'ai vu à sa sortie, donc il y a déjà quelques mois, mais yes. Merci à tous d'être venus. Tous, vous quatre, je suppose. Oui, je me rends compte que vous devez être effrayés. Et pendant des siècles, la tour maudite qui nous attend a été une source d'histoires vraiment bizarres. Ceux qui ont osé s'y aventurer sont devenus complètement fous. Il faut être complètement idiot pour participer à cette mission. Yes. Eh ben, merci. Waouh, ce type n'est vraiment pas doué pour ça. Ahem. Ce que Edward est en train d'essayer de dire, c'est que votre bravoure ne sera pas oubliée. Et vous savez, au cas où quelque chose d'horrible vous arrive dans cet endroit. Ce qui, statistiquement parlant, est extrêmement possible, en fait. Ils sont vraiment pas doués pour ça. Un culte mystérieux se cache dans cette tour, et c'est leur maison. Et nous pensons que quelque chose dans cet endroit contrarie les Nexomo locaux, et que, par conséquent, c'est la raison du malheur de cette ville. On va entrer dans leurs quartiers généraux et découvrir la vérité. En avant ! Je n'ai pas peur des fantômes. Allons-y. Cette pauvre cité, on a assez vu. Il est temps que ces idiots payent. Ne vous inquiétez pas, les gars. Et Gertrude est ma pote, et elle assure nos arrières. Ah oui, lui, c'est vrai qu'on l'avait rencontré quand on était allé dans le monde de Fire. Où il avait fait un vol plané de 1 milliard de kilomètres. J'ai déjà... C'est le dernier épisode à la toute fin, ça dure quelques minutes ce passage. Maybix, ça c'est une évolution, je le sens. Ah oui, t'es une évolution, hein, s'il te plaît. Il est gros, c'est une évo? Non? Oui. Non? Ah merde! Ah non! Ah peut-être pas, reviens! Ah! Reviens, petit Schtroutul! Oh! Je l'ai pas, lui. Un petit. Oh, je l'ai confusé. Bah, si je l'ai confusé, il va venir. Il est trop mignon! Le prochain qu'on chope, c'est Prozan. Parce que je me suis rendu compte que Prozan n'en avait pas. Il mériterait d'en avoir un moche, mais vu que tout est mignon quasiment dans ce jeu, c'est chiant. Bah non, c'était pas une Evo. Ouais, j'ai regardé, il n'y avait pas. Scheisse ! Faut que je le retrouve. Alors, les habitants spongieux et translucides des eaux profondes, leur personnalité insouciante est un peu contagieuse. On va l'appeler Prozan. Il était gros, du coup je pensais que c'était un... Ah ! Donc ma règle ne fonctionne pas. Donc Prozan, c'est bon. Faut que je retrouve l'autre là. Ah, mais non, mais lui non plus, je l'ai pas. Ah si ? C'était une évo du coup ? Bah attends, mais ça veut dire qu'on n'a jamais croisé sa sous-évolution. Attends. Ah ! Bah, il est venu direct lui. Bah on l'a jamais vu. Du coup. Ah mais c'est lui qu'on aurait dû appeler Tilik. Regardez-moi cette mèche absolument incroyable. Ces Nexomons sont rapides et insaisissables, ce qui les rend difficiles à attraper. Leur saut génère de petits travaux devant. Et coucou Wolf Team! Comment que ça va? Alors on va retenter. Et Kiki.
Kiki. Plupli, il a le sien. Enfin, est-ce qu'elle a le sien? Plupli a le sien. Oui, Graf a le sien. C'est le seul en cette lettre-là, donc je m'en souviens. Afro a le sien. Il en a même eu deux sans faire exprès. Bubuche, c'est bon. Calicante, c'est bon. Totox, c'est bon. Covid, c'est bon. Oh, ça devient de plus en plus difficile de leur trouver des blazes, là. Ils vont faire une saison 4. Ouais. Quoi? J'ai rien dit, I'm stupid. Hey, j'ai pas tué de team feu encore aujourd'hui. Hein. Tout va bien. Tout va bien. Nya, 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 nya. Info, c'est fait. Ah! Crow is ok, Schnaff c'est fait aussi. Il y a tellement de gens, je sais pas qui c'est. Oh, je veux pas faire des gens où je sais pas qui c'est. Tiens, on va faire Nabi. On n'a pas fait encore Nabi. N. Non, on n'a pas fait Nabi. Surnom, Nabi. Bon, ça aurait dû être un renard. Ce sera un truc avec une mèche. Crotte. Je fais ce que je peux maintenant, moi. Là, c'est trop compliqué, hein. Ah ouais, mais vous y êtes quasiment tous, là. Non, pas Titeuf. Bon, du coup, l'autre, c'est pas la peine que je le cherche. Ou faudrait peut-être qu'on tombe sur sa sous-évolution. Je vais aller re-soigner. Je vais racheter des popos aussi. J'ai plus de popos. Oui, c'est ça, Volt, du coup. Et coucou, Calicante. Comment que ça va? Il fait hyper froid. Mais ça va. Mais il fait genre hyper méga froid. Du coup, j'ai finalement pris le prochain cache. Ah yes. T'es un hérisson. Bah là, c'est qui? Y a Aeli qui a eu sa dernière forme hier. Ah mais non, c'est pas des plus qui vend lui. Je miaule et je me roule par terre pour avoir une croquette. Là, on va dans une tour hantée, apparemment. Pour déloger une secte qui sera arrivée là-bas. Du coup, je sais pas du tout où j'en suis dans la story. Oui, oui, j'ai tout mis sur Discord, Aeli. T'as eu ta deuxième évolution ce week-end, je crois, et avant-hier, t'as eu ton évo final. Ah ouais, mais des popos, du coup, pourquoi? Bah des bisous. Bon repos, Sikelio. Bah la tour, je me demande si c'est pas un délire comme la tour dans Pokémon. Vous savez, il y a la tour hantée. Du coup, je me demande si c'est pas un truc comme ça. Oh, mais je suis pété de thunes. Je vais racheter des ça aussi. Tac. Allez. Ouais, c'est ça, là où j'avais eu... Le shiny, le seul que je n'ai jamais vu, tout Pokémon confondu. Coucou Orfeo. Tu veux dire la tour de combat? Bah, je sais plus comment elle s'appelle dans Pokémon. Pas dans les derniers, mais tu sais, dans les Pokémon classiques, là tu vas visiter une île, pas n'importe quoi, une ville. Bah justement là où t'as l'histoire d'Osley, où t'apprends l'histoire tragique d'Osley qui a récupéré le crâne de sa défunte maman, tout ça, trop triste. Et ben là, apparemment, il y a un délire où ce serait une tour hantée aussi. Du coup, je me demande si c'est pas ça. T'es à 150? Eh, je suis à 116. Je suis pas loin. Hein. Ah, c'est ça, le monument au Pokémon défunt. Exactement. Mais est-ce que ce serait pas celui qu'on cherche par hasard? Bonjour, Volt. Est-ce que tu viendrais pas dans ma team? J'avoue, t'as dû avoir les boules de croiser un chroma et de le niquer, quoi. J'aurais tellement le... ça me fait rire, mais... Je l'ai effacé.
Est-ce que t'as une petite étoile ou quelque chose pour indiquer que c'est un chroma? Oh là là, mais attends, je les chope du premier coup ce soir. C'est énorme. Orfeo, est-ce que t'as le tien? Je ne suis pas sûre. Oh, c'est où le haut? MNO. J'ai personne en haut. Eh ben écoute, Orfeo, tu seras un électrique. Voilà. Et sa queue, son front, sa poitrine et son cou sont recouverts d'une fine couche d'écailles pour protection et isolation. Sa morsure est incroyablement forte. Ce sera Orfeo. Et c'est le dab. C'est l'heure du dab. Hop là. Non. Hop là. Voilà, et du coup, lui, il évolue direct. C'est ça. C'est envoyé. Ça, c'est cool. Allez. Bah, du coup, on va aller voir ce qu'il y a là-dedans, hein. C'est lui que je cherchais dans les hautes herbes. Allez, on se battait. Faut que je fasse évoluer que ce que j'ai dans mon sac. Moi, peur de la tour maudite? Nah. Mais je reconnais que je dois être plus fort si je veux m'y aventurer. Ok. Ah! Oh! Ça, c'est l'évolution de Tilik. Y'a un... Y'a pas un dessin animé qui s'appelle Volt, là, avec un petit toutou? Disney ou un Pixar? Ou un truc comme ça? Ah si, c'est ça, ouais. Il fait de l'électricité? Il y a un truc avec l'électricité? Non, ça n'a rien à voir. Oh la vache. Il est trop cool. Un Pizar. D'accord. Si c'est Pizar, alors. K.O., il est bourré avec du coca. Oui et non. Je me souviens plus du pitchou de l'histoire. Bah écoute, on vient de croiser sa première évolution à Volt, qui est cool. On n'a pas vu la dernière encore. Et coucou le Mori! Comment vas-tu, Shaltir? What's up, guys? Oh! Oh, c'est le tuyau! Juste en surbrillant, ces changements de couleur. Ouais, mais c'est ça le truc, c'est que le changement de couleur, si tu l'as pas déjà croisé ou que tu te souviens pas ou quoi, moi c'est sûr je vais pas savoir que c'en est un. À tous les coups je vais le buter et après vous allez me dire ah, mais c'est un chroma et je vais avoir les boules comme Jaja. Voilà, c'est histoire de ma vie. Oh, Afro évolue. Mais en fait, ils ont gardé la tête et c'est le même en haut, on est d'accord? Ah, stylé? Ah, stylé, tu me trouves? D'accord. C'est pas le mot que j'aurais utilisé, mais d'accord. Ok. Ben, je sais pas, qu'est-ce que c'est? Okay. J'ai l'impression qu'ils ont gardé sa deuxième évolution, qu'ils ont mis sur là. Et qu'ils ont fait pousser un corps. Je ne sais pas. Eh bien, écoute, on va retourner en ville pour le déposer. Comme ça, on va prendre quelqu'un d'autre. Donc, Afro, c'est fait. GG Afro. Vous êtes magnifique. Enfin, vous êtes. S'il y a de la surbrillance en rouge. Ok. De toute façon, je compte sur vous. Vous crierez, hein. Mais il m'a bodyblock. Mais va-t'en. Bon bah, et de 1, ça c'est fait. Tac. Evo Max. Bah tiens, je peux te montrer du coup. T'es où? Tu es là, Aélie. Et je trouve que ta dernière Evo est vachement plus stylée tout de suite que les deux que t'avais avant. Hop.
Alors, on prend qui? Par défaut, Aegon, du coup, je l'ai ajouté. Et bah ouais, on va prendre Aegon parce que lui, il va évo direct. Je vais crier, IRL, tu m'entendras peut-être. Vas-y, je tends l'oreille. Alors, équipe. Quick. Je sais pas combien il a d'évolution. Lui, il suffit qu'il gagne un niveau et il passe déjà sa première évo. Je sais pas s'il en a deux. Mystery Ball de Flip. Équipe. Ouais, on n'est pas à 2 secondes. On va se permettre le luxe de se healer. Ça nous fera économiser quelques popos. Hop là. Zibati. Et bah des bisous, Ailey. Passe une bonne nuit. Bon repos. Est-ce que je peux? T'inquiète, je vous ai compris. Je comprends maintenant votre langage de commu bourré, là. Tout va bien. Tout va bien. Il suffit que je lise comme d'habitude, en fait. Vu que je lis de travers et que vous causez de travers, ça redresse un peu. Ça passe. L'un dans l'autre, ça passe. Alors, il n'y a rien qui brille. Et wesh la grosse! Comment ça va? Ah mais c'est toi qui me pouic là! Pardon? Ah d'accord. Très bien, je vous ai lu. Ouais. Triste vie. Je compatis. J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Attends un peu, ma pote. Et n'es-tu pas un petit peu trop loin de la sécurité? Et laisse-moi te montrer le chemin. Et du retour à la cité. Mais en fait, c'est trop loin, la tour. Je pensais qu'on était vraiment au pied. Un Caminou. Salut, Caminou. Et paf! Lui aussi, il est spécial, hein. Un peu, quand même. Je suis un peu dubitative. Ah bah, salut, Caminou. Je l'ai invoqué. Je l'ai pas dit 3 fois, pourtant. Caminou. Bah, même pas mal. Celui-là aussi, il est bizarre. Mais pourquoi là, ils nous montrent que des trucs qui sont chelous quand ils ont leur Evo Max? Dites-en. Oh, lui, il est mignon. Lui, je l'ai pas, je crois. Je le veux. Ah oui, c'est vrai que c'est férié. Qui c'est qui a glandé toute la journée? MRC. Ah ouais, j'étais trop contente pour l'oral blanc. J'étais tellement dans la fébrilité, mais j'avais dormi 3 heures la nuit d'avant. Et au final, je me dis que ça va bien se passer, l'oral. Parce que vu que je vais stresser comme jamais, ça va forcément bien se passer. Et bah GG Orfeo. Et GG Wolf Team. Et GG Calicante. La glandouille, c'est la vie. Kikiki. Pas moi. Bah oui, puis toi en plus, y a du boulot si j'ai bien compris en ce moment. On est confinés, mais pas aller pour Mac Gerbalet, quoi. Je plais en même temps, si ça lag, je repasse plus tard. Ok. Bonne game. Caribien. Non, je l'ai déjà lu. J'ai le même temps de jeu que toi, sauf que j'ai pas Pex. J'en ai chié à la fin, je voyais plus du tout. Ouais, bah après, ça dépend comment t'apprends le jeu aussi, mais moi je sais que les Pokémon-like et les trucs comme ça... Enfin, il y en a qui s'en foutent, ils veulent juste faire l'histoire, en choper 2-3 machins et tout. Moi, c'est le genre de jeu où je sais que je passe du temps parce que je veux tous les pixer. Je veux tous les faire évoluer. Donc du coup... Forcément, ça pexe tout seul, quoi. Et encore, là, ça va. Hein. Au final, là, ça va.
J'y vais tranquille. Tu fais le 100% maintenant? Salut! Oh! Je vois que tu as récupéré de ta chute. Oh! Il bug! Hey Atlas, qu'est-ce qui ne va pas? Je reviens plus tard, et salut! Ok. Appelle-moi Bonjour! Appelle-moi Mérida. J'étais la cinquième enfant du roi Omnicron. Il y a des millénaires, j'étais connue comme le tyran primordial des mers. La meilleure joueuse de volley-ball du monde. Ouais, c'est une planche de surf, ça. Et donc tu es la sœur de Dina? Je sais ce que tu veux de moi, et je suis prête à te le donner. Mais mon pouvoir a un prix. Une petite faveur, si tu préfères. Cette tour. À l'époque, c'était notre maison. Père, mes frères et mes sœurs gouvernaient depuis cette structure, et maintenant, les humains stupides ont profané tout cet endroit. Je n'ai plus la force d'y mettre... de défoncer la porte. J'ai pas lu, pardon. Cependant, je ne peux pas me reposer tant que ce lieu n'est pas restauré. Et Gertrude, et tu vas te débarrasser de ces intrus, et alors tu recevras mon pouvoir. Ok. Ça me va. J'ai fait run histoire, puis... Ouais, non, mais après... T'inquiète, hein, y a pas de mauvaise façon de faire les jeux, Wolf Team. Hey, vous avez fini? Et qu'est-ce qui va pas chez toi? Écoute, je suis pas dans les meilleurs termes avec ces fantômes, ok? Je suis en quelque sorte la raison pour laquelle ce sont des fantômes à l'origine. C'est bizarre de les voir nous aider, ça ne leur ressemble pas. Donc tu es déjà allé dans cette tour auparavant? Elle a l'air un petit peu différente, mais ça ne devrait pas être un gros problème. Allons-y. Oui! Bon, je suppose qu'on va encore capturer 50 nuances de Jean Bobby. Alors, est-ce qu'ils vont bien? Oui. On se fait une petite sauvegarde. Oui. Tac. Tac. Bon, normalement, à moins qu'on ait quelqu'un qui soit en fin d'évo, on ressort pas. Ah, la tombe d'Omnicron? D'accord. Mais je trouve que ça accélère le jeu. À partir du moment où tu récupères l'œuf et que tu récupères la... Je sais pas comment appeler ça, le premier bidule. Enfin, la première partie d'œuf, le premier pouvoir là pour l'œuf. J'ai des problèmes d'élocution, je suis désolée. Je trouve que ça s'accélère un peu. Oula, mais il y a carrément du monde. Ce tombeau sera votre tombeau. Oh, te voilà enfin. Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps, poulette? Allez, viens, aide-nous avec ces types. Eh, malédiction! Ils n'arrêtent pas d'arriver! À ce rythme-là, ils vont pénétrer dans la chambre du roi! Ça paraît plus intéressant aussi, ouais, effectivement. Oh la vache! Mais lui aussi, il est trop bien! Allez! Vas-y, je tente. Ok, c'est raté. Aïe! C'est raté again. Dreadrone? C'est qui Dreadrone? Ah, ça, c'est la dernière évolution d'Ormac. Ça, je sais. Ça, c'est sûr. Ah, j'aurais dû le lock. J'ai pas retenu les noms vu que j'ai rename tout de suite. Ah! Mais je te connais, toi! Ah, mais même comme ça, je sais pas qui c'est. Lui me fait penser à un Pokémon légendaire. Je crois que c'est ses ailes, là. Lugia? Je suis pas sûre. On a une évolution! Aegon évolue! Ça, c'est sûr! Bim! C'est ça, hein, Lugia?
Alors, je sais pas combien d'évo il a, lui. Est-ce qu'il... Ok. Est-ce qu'il en a une autre après ? Je crois que c'est les ailes. Fait penser un petit peu à Lugia. Pouf ! Et bien sûr, viens et combat alors que j'ai déjà fait le plus gros du travail. Écoute, si tu veux cette promotion de la guilde, tu vas devoir faire ta part ici. Maintenant, continuons. Edward est devant. Alors, base de données. Miaou. Oh, mais fais chier, faut que je redescende. Merde. Bon, bah c'est reparti pour la ville. Je suis désolée, on va faire des allers-retours, mais j'en ai tellement, vous êtes tellement à être obligés là, d'évoluer là. Je suis obligée. Je suis obligée, on va perdre trop de... C'est pas possible. Hein, vous comprenez? Hein, vous comprendez? Ça perd trop d'XP après. Ouais, je vais en profiter pour me healer. Je pense que je vais aussi en profiter pour passer... Tiens, attends, c'est quoi? On va faire un truc. Tu tapes le nom dans là-bas. Ah, yes. Ouais, mais après, je vais me spoil. D'un côté, oui, mais d'un côté... Et coucou, Dark. Ça va et toi? Hein, vous comprenez, même s'il n'y a pas tous les mots. Quoi? Ça va? C'est vous qui me parlez en dialecte de Jean Bourré depuis tout à l'heure. Alors, pouette. Est-ce que... Je vais peut-être juste échanger. Attends. On va échanger ces deux-là. Parce que lui, il pexe vachement vite, ce qui me dérange pas, mais lui, il pexe moins vite, ça me... Non. Lui, là. Nia. Ouais, je sais pas. Vas-y, tu sais quoi, on se fait celle-là. Pour les deux autres. Oh la vache. Ouais. Hein? Voilà. Je... Non, en plus j'ai mis tous les mots. Je crois pas que j'en ai gardé. Je ne suis pas avare, je partage. Je vous les ai tous donnés. Je comprends tout, d'accord. Lui aussi, il est mignon avec ses petites oreilles en from... Oh! Je suis débile. Je viens d'envoyer un truc de feu sur de l'eau. Yes. Dans 10 minutes, à FK pipi. Voilà. Oh là là. Pareil, tellement de sun que Dani soit décédée. Regardez-moi comme elle était belle. Elle était so cute, cette sirène. Ah si Eivilo pouvait Evo. Bon bah tant pis. Mais c'est pas grave, Grincheux. Ce sera toi, le wiki. Mais oui, ton scorpion aussi. Mais bon, faut avouer que ton scorpion est moins cute que la sirène, quoi. C'est pas... Bon, voilà. Ok, donc. Paf, paf. Aegon, c'est bon. C'est rare, j'ai l'impression, ceux qui ont une seule évo. Attends, je vais les remettre. Surnom. Paf. Alan. Niveau 30. Et bah vas-y. Or lui c'est Nawak. Ce Temtem c'est pas un Temtem. Ce Nexomon c'est Nawak. C'était une petite boule. Je vois même pas en quoi il peut évoluer. C'était les petites boules là.
comme on voit quand il y a des cérémonies pour les morts, les trucs comme ça au Japon. Et il a volumé en ça, c'est les lampes de festival. Voilà, lanterne de festival. En quoi il va évo, quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais, ouais, t'inquiète. T'inquiète, Nox. De toute façon, c'est au cas où. Majoritairement, ça va, j'ai pas trop besoin, mais... En lampadaire, je sais pas, qu'est-ce qu'il y aurait comme grosse lampe? J'avoue, il pourrait se transformer en... Ouais, en lanterne ou en... Lampadaire, je pense pas. Bon, enfin, pourquoi pas, après, hein, on serait plus à ça près, mais... On verra. Il est au niveau 30, lui. Alors, attends, du coup, on a... Dans 4 niveaux... Lui, dans longtemps... Et Sidix... Niveau 38. Ok. En dragon lanterne. Alors, je suis pas sûre que ce soit destiné à être un dragon à la fin. Why not, hein? Why not, mais je suis pas sûre. Bon, potentiellement, si on se démerde bien, on peut peut-être avoir au moins 2 évolutions sur la tour. Parce que Eivilo et Sidix, c'est pas dans hyper méga longtemps. Mais Sidix, je lui ai pas mis des gros trucs d'Evo, des gros trucs de Pex, du coup, je suis pas sûre. Est-ce que je le change? Je vais peut-être changer avec Alan. Parce qu'Alan, il... ce sera pas de suite. Hein. Ça lui permettra de monter quand même. Hop. C'est ça où je vous disais que je farme les pierres. Enfin, minimum, en tout cas. J'essaye d'aller au moins à chaque session dans les deux grottes qu'on a ouvertes. Parce que c'est avec ces pierres-là que je les farme. Donc là, je suis en 3-3-3-2. Ça va encore. Là, pareil, 3-3-3-2. Parce qu'en fait, à chaque fois, on gagne un pourcentage différent. Là, les deux, elles sont à 16%. C'est à 25%, les grandes, et ça se cumule. Donc, la lane, il va prendre, mais pas de ouf. Il va prendre quand même, parce qu'au final, il est très très loin du niveau des autres mobs. Mais bonjour, je ne te possède pas. Piou. Et yes. Alors, c'est Kiki. Le Carnio sont suivis d'un triste sifflement partout où ils vont. Et leur visage inexpressif les rend encore plus effrayants. Bon, il n'est pas effrayant, lui. Il est choupinou-pinou. Qui qu'on a pas. Pourquoi je suis remontée? Ah, on était où? J'en étais à Nabi. Nédil, est-ce qu'on a fait Nédil N? Heureusement que je l'ai fait par ordre alphabétique. Nédil, oui, il l'a déjà. Oh oui. Ah bah, il l'a pas, Hibou, le sien. Surnom. All peace. Je crois que c'est la première fois que j'écris son pseudo correctement. LOL. Il y a un début à tout. Hein. Est-ce que lui aussi, c'est le crâne de Sam? Non! Mignon! On a dit que c'était mignon ce jeu. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de crâne de maman. Allez, et de 1. Ok. Si fermé. Ah, en fait, ça se passe pas en haut, ça va se passer en bas? Non? Ok, it's a crap. Ça, c'est une évo, c'est sûr. On l'a, la petite abeille, là. Je crois que c'est Shaba, d'ailleurs. Pardon? Halt!
On se retrouve, Gertrude. Tu vas maintenant périr, Gertrude. C'est qui? Voilà. Pourquoi j'aime ce jeu? Bah pour ça. Mezzo, je te déteste, Gertrude. Voilà. Mais qu'est-ce que c'était que ça? En quoi cet événement contribue-t-il à l'histoire? Voilà. Ce jeu est débile. J'adore. Quel beau combat. Ah, on a tout donné là. Garde les yeux grands ouverts, Gertrude. J'ai entendu plein de choses horribles à propos de cet endroit. Fais une pause petite. Il faut... Ça ne fait qu'empirer. D'accord. Je vais bien aller là. Un dunut. Qu'avons-nous appris à propos de ces cultistes jusqu'ici, Bonnie? Les cultistes pensent que seul Omnicron lui-même peut détenir le titre de roi, ce qui signifie que les tyrans en sont indignes. Et qu'est-ce qu'ils vont faire à ce sujet? Omnicron est parti. On dirait qu'ils ont essayé de le ressusciter sans succès. Résurrection? Voyons, c'est trop cliché. Quelque chose agite les Nexomons sauvages. Oh, je n'y crois pas non plus. Mais je m'en voudrais si un ancien démon se réveille sous ma garde. Eh bien, il n'y a pas de temps à perdre. Alors, pourquoi sont-ils obsédés par l'œuvre de Tyran de Gertrude? Ils veulent détruire tout Tyran qui pourrait s'opposer au Omnicron, y compris le tien, j'imagine. C'est quand même... C'est en quelque sorte... bien qu'ils pourchassent les tyrans, mais ramener Omnicron n'est pas une très bonne chose. Juste pourquoi seuls les Nexomons ont le droit de manger des donuts? J'avoue, ils ont l'air de manger de la bouffe assez pas mal. Vous vous en sortez bien tous, et la mission va être un grand succès. Moi j'ai comme dans l'idée que le mec avec qui on va encore se faire défoncer. Sinon c'est pas rigolo. Ok, je peux pas descendre ici. Non. Non, ça je l'ai, c'est Bru-Bru. Je vais aller voir par là. Hop. C'est une Evo, ça? Il est trop mignon. Non! Non! Bon, bah, voilà. Qu'est-ce qu'elle fait, Maryse? Elle est partie. Mais oui, elle était trop mignonne, la petite mort! Bon, ça, c'est pas une Evo, c'est sûr. Ça ressemble à rien. Oh! Oh, j'ai le seum. Je veux la petite mort. Mort is mort, c'est ça. On a tué la mort. Merde! T'es qui, toi? Petit Nexomon d'avance fragile, il s'appuie sur son caractère évasif et son corps glissant pour utiliser ses attaques d'eau depuis des endroits sûrs. Ouais, lui c'est sûr. Il a une tête nulle. Du coup... Bah attends, mon Yann Yuna qu'on n'avait pas fait. Yuna. L'envoyer au stockage. Ok. Par contre, je veux la petite mort, là. Je suis deg. Reviens, la petite mort. Je suis dégoûtée. Non! Toi, je sais. I want the little death. Bah, y'a rien ici. Non! Oh, c'est bizarre. Tu t'envoies sur un truc où il y a rien.
J'ai même pas fait gaffe, ça se trouve c'est un méga archi giga rare et on l'a dégommé. Oh la triste vie. Ah. Reviens. Reviens la petite mort. Tu étais trop choupi kawaii. On a pu vouloir revenir. On l'a dégommé. Bon, on va avancer, hein, tant pis. Triste vie. Hé, hey, Gertrude, Gertrude! Hey, les autres sont partis devant pour combattre le chef du culte, tu dois les aider! J'ai assez de provisions pour soigner ton groupe, mais une seule fois seulement. Viens me parler si t'as besoin de faire une pause. Bonne chance! Tu le mérites pas, mais totalement. Je l'ai buté. Scheisse! Non! C'est pas toi que je veux! Non, ça va pour l'instant, la vessie, tiens. Mais ça va venir, hein. Je me suis bu une grosse cup of tea. Je vais visiter un peu avant d'aller me battre. Ah bah... Je voulais visiter un peu avant d'aller me battre. Merde. Tiens, bonjour ma pote, ça faisait longtemps. Ouais, les cultistes nous ont pourchassés, Nivellis et moi, pendant longtemps. Je me suis dit que je devais me joindre à la bataille. Oh, ne te méprends pas, Gertrude, je ne suis pas ton amie. Ah. Regardons les choses en face. Tu es le toutou de la guilde, donc tu vas me pourchasser tôt ou tard. Tu ne peux pas me vaincre cette fois. Ma Nivellis est complètement rétablie maintenant. Ah. Ah. C'était pas mon projet. Ah, elle a tous les moches, elle. Casse-toi, Nivellis. Ah, aïe. La bagarre. Tout va bien. Oh, il a 330. Mais comment ils font tous pour avoir autant de PV? Tiens, t'es démotivé. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Heureusement qu'il est en pleine forme. Piou! C'est pas n'importe qui, mais on l'a un peu ruiné comme n'importe qui. Non. Peut-être qu'ils ont des boosts PV, ouais, je sais pas. Ça, je vais vraiment me pencher là-dessus quand j'aurai fini de faire les pierres d'XP hors combat. Je voudrais au moins pouvoir utiliser les trois derniers slots pour Pex. Je peux tenter, mais... Ouais, hein, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Mais je te brûle! Je lui ai fait un critique. Oh! Oh, Shakipu, tu es incroyable! Oh! Et brûle! Sans les boosts, t'aurais jamais fini. Il peut se prendre un petit critique d'eau, hein. Oh, il est pas haut, lui, tiens! Brûle! Et pas. Ouais, mais ça passe. T'inquiète, tout va bien. Tout va bien. Oh, il a pris deux niveaux, Silix. Oh, trois niveaux, Evilo. What? Mais trop bien. Oui, ils vont Evo. Peut-être pas là. Mais ça va Evo. Encore un niveau, je crois, et ça passe. Bon, bah, ok. Encore défoncé, hein. Tu t'en sors très bien, Gertrude. À ce rythme-là, tu vas recevoir mon pouvoir. Tu seras invincible. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? On se connaît? Hein? Vous ne vous rappelez pas de moi? J'ai des milliers d'années. Lâche-moi un peu. Et on vous a battu dans un match de volleyball une fois et ensuite... Ma tête!
Je me souviens. Ouais, bah barrez-vous, hein. On n'a plus de PV. Reviens ici, espèce de petit. Super. Cours. J'ai besoin de heal. I need a healing. Oui. Oui. Merci. Ah, ça marchait qu'une fois. Oh, triste vie. J'aurais peut-être pas dû. C'est pas grave. Non. Sa petite mort. I want the little death. Attends, mais c'est le bordel genre partout. Salut. Tu arrives trop tard, dresseuse de la guilde. Et tes compagnons étaient pathétiques. Oh. Ah d'accord. Hein. Qu'est-ce que t'essayes de faire, gamine? Tu ne peux pas simplement te ruer vers le boss. C'est un modèle bien établi. Ah bah voilà. Et bisous. Quoi? Est-ce ton œuf de tyran qui a fait ça? Comment est-ce possible, cet œuf? C'est quoi le problème avec cet œuf? Oh, quoi? Mais il est trop bien! C'est un Pokémon vieux? Mais c'est trop une bonne idée d'avoir fait ça. Papi, papi! Oh! C'est Kazoo. Elle aurait été belle, hein. Ah! La pauvre. Ah, scheisse. Pardon, Kazoo. Ah, crotte. Hop. On se guérit. On va prendre Shaky Schmout. Vas-y, vas-y. Tape-moi, toi. Tape-moi. Oh! Bah, et lui? Mais attends, mais il y en a trop qu'on n'a pas vu encore. La map est encore grande ou quoi? J'ai pas fait gaffe s'il nous reste beaucoup de zones à explorer. Depuis quand je suis pas follow, moi? Ah, d'accord. Très bien. Volt Team. Oh, mais lui, c'est qui? Ah si, c'est pas Pépé, ça? Et coucou, Volda! Comment que ça va? Je crois qu'on a deux Evo. Ou au moins une. Je crois qu'Evilo est... elle Evo. Je crois que j'avais dit 34. Hein. Ouais, c'est ça. Ah d'accord, très bien. C'est ça, c'est Twitch, ouais. Ça, ouais. Ok. Tu faisais le pré-patch, ouais, je l'ai fait tout à l'heure. Ça va, c'est vite. Et bah... Ok, c'est spécial. C'est spécial, voilà. Hey Willo, c'est ok. Oh, Gertrude, t'as vraiment battu ces types. Qu'est-ce que je vous disais, Gertrude connaît son affaire. Vous ne pouvez pas vous tromper avec elle dans notre équipe. Tchut, prenez une chambre. Bougeons, Edouard doit être en train de nous attendre. On va aller redéposer Hey Willo. Ça, je vais me soigner en même temps. Tramar, il est dans ma team finale d'histoire. C'est qui Tramar? Avec un petit peu de chance, on va recroiser la petite main.
Je serais dégoûtée si on le revoyait plus jamais. Never. It's too late for the little death. Ah, le... D'accord. J'ai pas fait gaffe à son nom. Eivilo, quoi. Problème, c'est ça. Enfin, le problème, qui n'est pas vraiment un problème en soi, mais vu que je vous ai tous rename direct, j'ai pas eu le temps d'apprendre... Enfin, ou même de me familiariser avec leur nom de base, quoi. Ah ! Viens ! Non ! Viens, t'es mon copain ! Oui ! Bah tiens, Volda, est-ce que t'as le tien, toi, V ? Je ne crois pas, vu que tu n'es plus sur Discord. Eh bah tu seras lui. Il faut chercher très fort pour repérer l'un d'eux. Yes ! Les Rifas sont des fantômes rares et sombres. Voilà, Volda. Tu seras dans la team. Même si tu veux pas. Oh, je suis contente qu'on l'ait. Ah. Ah non, à la fin du jeu, je connaîtrai aucun de leurs noms. Hein. Ça, c'est sûr. 10 000%. Hop, je vais reprendre ça. Ah, attends, c'est quoi? Je vais me faire ce qu'il y a sur la route là. Parce que Sidix il est vaudant 1. Comme ça, ça me fait prendre 2 nouveaux. Je pense que c'est plus opti de faire comme ça. On va y aller. Et salut Caminou! Bah, je te dis, je connais les noms à peu près, mais vos noms à vous, tu vois. Bon, lui, on l'a pas, donc le premier c'était Caminou. J'ai retenu, mais en fake name, quoi. Bon, lui, je sais pas qui c'est non plus. Non, elle est pas moche. Arrête. Moi, je trouve que il est rigolo parce que il change pas tant que ça. Ouais, bon, je peux pas trop vous montrer de quoi que je voulais parler, mais. Là, c'est que des évolutions que je ne connais pas. Ah! Attends, parce qu'il faudrait pas que quelqu'un décède non plus. J'aurais dû prendre... Je vais prendre la petite pierre de son... Quoi? Comment ça, t'es fatigué? Allez, ça dégage. Merci. Oh, ça explique tout le monde, c'est parfait. Allez, c'est ça, va-t'en. Ville gredin. Ah, ce serait juste vraiment pour Sidix comme ça. Vu qu'on redescend là. Touk. On peut le déposer. Donc on est quoi? 46, 43, 43? Oh, ça va en vrai. J'avais peur que l'écart se creuse un petit peu trop, mais on est bon. Oh, lui, il est vraiment trop bien. Je crois pas que j'ai sa sous-évolution. Donc le premier, c'était Tilik. Ça, c'est sûr, ils ont la même bobine. Lui, je crois pas que je l'ai. Lui, je ne sais plus... Oh! Mais je sais pas. Je t'en pose des questions?
Oh là là, mais il prend très cher. Je voulais le faire participer. C'est peut-être pas une bonne idée. Olendil. Ah, c'est quoi son nom de base? Je sais pas. Depuis qu'il est petit, il s'appelle Olendil. Je vais rater mon oral Nexomon. Non! Donnez-moi mon diplôme! Non, pas recalé! Nine! Je travaille dur pour que vous évoluiez tous. S'il vous plaît. Et bim! Et là, normalement, c'est dit que c'est évolué. Normalement. Normalement. Oh, mais arrêtez tous! Yes. Et c'est bon aussi pour Silas. Oh, mais c'était lui! Oh! Eh, vas-y, on le garde. Oh, j'ai trop envie de le garder. Il est trop cute. Bah... Non, non, mais je veux dire, on le garde dans la main team, quoi. Mais ça veut dire que je vous fais évoluer deux par deux. Ah, oh, ça va être chiant. Deux par deux, ça va être long. Ouais, non, non, vas-y, on va le déposer. Oh, mais il est trop cute. J'adore. Non, non, les vieux, c'est flippant, mais celui-là, il est rigolo. Ah, non, non, moi, j'aime pas trop. Ni trop les vieux, ni trop les enfants. Bon, on va aller les déposer. Hop là. Bon, il n'y en a pas beaucoup sur le chemin, mais il y en a déjà quelques-unes. Ça, c'est plutôt cool. Ah, je pensais pas que c'était lui. Ça dépend des pays. What? Tac. Allez. De nouveau. Bim, bim. Ça, c'est cool. Eivilo is ok. Sidix is ok. Alors, qu'est-ce qu'on prend d'autre? Normalement, là, on en est à Arkham. Qui va avoir sa première évo. Bah, dès qu'il a gagné un niveau. Lui, il fait 17-36. Et après, on a Belmine. Qui évolue niveau 26. Je l'ai fait dans l'ordre, hein, du coup. De toute façon, vous allez tous y passer. Kikiki. Alors, juste que je mette... Paf. Paf. Donc, 1. Tac. C'est quoi, on va équilibrer? On va équilibrer. Un minima, quoi. Je peux mettre... Comme ça, tous. Hein. Ça, il n'y aura pas de jaloux. Pardon? Tu viens des... Oh là là, faut pas faire ça. Oh, je suis sûre que t'es tombé sur des trucs... Ah! Que personne ne voudrait voir! Ah! Qu'est-ce que t'as fait? Mais quelle idée! Quelle idée! Allez, 124. Ça up, ça up. On juge pas les goûts ici. Ouais, papy mignon quand même, on peut peut-être juger un peu, non? Non, je veux pas... voilà. Au secours. Allez, c'est reparti. Des papys qui sourient. Bon, bah ça va, alors. Parce qu'il y a quand même une... Il y a quand même une catégorie sur YouPorn, hein, pour les grandma and grandpa. Et oui, je suis au courant de ça. Je sais tout. Je sais pas trop, par contre, quel genre d'individu traîne là-dessus. Mais... Est-ce que Brad Pitt est un papy mignon? Il est pas... Moi, je le trouve pas beau, Brad Pitt. Hein. Je suis pas hyper fan de cet acteur.
Moi, j'aime bien... Oh, Maryse ! Bonjour ! J'aime bien celui qui joue dans... Merde, Richard Gere. Je crois que c'est ça, dans Pretty Woman. Lui, je trouve qu'il a du charme. Il a une bonne bouillasse. Une connaisseuse. Si tu savais... C'est faux. Mais si tu savais... Allure. Tac. Oui, Richard Gere, ça doit être un bon papy maintenant. J'avoue que ça fait longtemps qu'on le voit plus dans des films. Il a dû reprendre sa retraite. Donc on a fait les deux du bas. On va aller faire ceux d'en haut. Oui. Ça va être quoi maintenant? Parce que... Expandable? C'est quoi Expandable? Attends, c'est quoi comme film Expandable? Ça me dit quelque chose, mais... Oh quoi? Ok. Attends, mais on est toujours dans la tour, là? Jeune dresseuse, quel est le plus grand péché de l'humanité? La chute d'Omnicron, le véritable roi des monstres, bien sûr. Et maintenant, regarde notre monde misérable. L'ordre naturel de la planète a été marqué à jamais. Et dis-moi, Gertrude, n'est-ce pas bien de ramener l'ancien roi? N'est-ce pas bien de corriger nos péchés? Une parodie de guerre, d'accord. Le film de guerre, ok. Je crois que je connais pas le goût. Tu ne peux pas m'atteindre, n'est-ce pas? Bah si, en fait, je peux. Bah oui. Personne ne m'a jamais dit que tu pouvais faire ça. Eh ben, je l'ai pas vu. Oh! Mais dis donc! Est-ce que ce serait pas Wolf Team s'il était pas mort, ça? Qui? Pardon. Qui? Détourne les yeux, Wolf Team. Ne regarde pas. C'est pas beau. Ah, c'était ton papy. Pardon. Oh, je suis paralysée. Salopioterie. Ça passe. Aïe, aïe, aïe. Ok. Ouais, c'est ça, c'est une ampoule. C'est une ampoule avec des petits câbles électriques de chaque côté. Oh, allez! Bats-toi, chapeau lapin! Résiste! Prouve que tu existes! Ok, il en a eu deux. Oh! Ça, c'est... Je crois que c'est l'évolution de Aqua. Je pense, hein. J'ai un peu peur là. On s'en va. On s'en va. Ah, ça c'est chat qui pue. Piou. Oh là là, mais Olendil, il fait tellement de dégâts. C'est fou. Ah, ça c'est Aeli. Quoi? Quand elle va perdre un exomon, ça va être tellement plaisant. Non, mais là, c'est bon, il n'y a plus de décès, hein, c'est fini. Non, non, on a dit que Kazu, c'était la der. Hein. It's over. Tu vois, c'est fini. Ah! C'est Tiamat. Ah merde, Fenrir. Bon, c'est pareil. Pas trop mal, Gertrude. Et drôle de zozio, ces cultistes. Tu pourrais penser que je supporte leurs idées de ressusciter Omnicron, mais non. Et ce dont ce monde a besoin, c'est quelque chose que mon père n'a jamais eu. Et tu as bien vieilli, Atlas.
J'ai entendu dire que tu étais ici pour aider à lutter contre les tyrans. Bonne chance avec ça. Ça ne te dérange pas? Je croyais que tu détestais les humains. Je me fiche des misérables humains. Mais la crise que nous traversons est bien plus importante que des querelles aussi insignifiantes, comme tu le verras bientôt. De plus, je n'aime aucun des tyrans là-dehors. L'idée qu'ils prennent le trône de mon père est risible. Eh bien, au moins un tyran doit gagner et devenir le roi. Il doit sûrement y en avoir un bon ici. Oui, bien sûr, un tyran digne de prendre le trône existe effectivement. Et il est en sommeil à l'intérieur de ton œuf. Comment pouvez-vous être aussi sûr? Tu comprendras quand l'œuf aura bien éclos. C'est pour ça que les fantômes nous ont aidés? Ils pensent que le vrai successeur d'Omnicron va éclore de cet œuf? C'est vrai. Mais d'où vient cet œuf à la base? Ça, on ne sait pas. Et coucou, chapeau lapin! Oui, tu es toujours en vie et tu es même le MVP de ma team. Tu es le plus élevé. Au pire, t'en tues un ou deux pour le spectacle. Nyon! Nyon! Vas-tu faire Nexomon 1 où je peux dire le lien entre le... Oh non, non, je ferai pas le 1. Tu peux y aller, il n'y a pas de problème. Non, non, le 1 est sur téléphone. Tu vois, tu es là. Tu es là. Je te déparalyse. Non, non, t'as pas fou. Les écoute pas. Les écoute pas. Ils sont jaloux parce qu'ils sont morts. C'est pas beau. Bouh, c'est pas beau. Ah, il est aussi sur Steam, lui. Sérieux? En français, tout et tout? Les morts, ça parle pas. J'avoue. Mutez-vous. Oh, Maryse, encore! Elle nous suit partout. On n'est pas là, on est juste dans la boîte. Ah, ça y est, c'est le patron. Non, faut y aller par contre. Non, bon d'accord. Dites-moi, comment comptiez-vous faire revivre ces créatures? Il y a un ancien plan à propos d'une machine qui pourrait le faire, je le jure! Une machine? Une machine de résurrection réelle? Monseigneur ne ment pas, il sait ce qu'il fait! Oh Gertrude, je vais te laisser celui-là. Il ne devrait poser aucun problème pour quelqu'un de ton calibre. Je vais avancer et détruire leur machine de résurrection grotesque. Du moins, si elle existe. Je l'aime pas, lui, il m'énerve un peu. Non. Ah, il est pas en français. Moui, 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 moui. Mais du coup, ouais, y a un lien entre les deux histoires. C'est rigolo. Oh! Il est trop cute lui aussi. On dirait une grosse piluche. Lui non plus, on l'a pas. Ah, ok! Ah, oui, d'accord, donc c'est vraiment l'histoire avec Omnicron et tout dans. What? Dans le 1. Ah, ça aurait pu être intéressant, ouais, de le faire. Elle est cool, je trouve, l'histoire, mine de rien. C'est pas... Ça casse pas non plus trois pattes à un canard, hein, mais... Elle est plutôt sympa. D'accord. Ouais, ouais. Bah oui. Oh, dis donc! Un pampa! Lui aussi, il est trop mignon. Pas aussi bien que dans Pokémon? Ah, l'histoire? Bon, quand même. Pokémon, l'histoire, elle est trop compliquée, chapeau lapin. C'est trop, hein. On n'arrive pas à suivre. Évolution d'Arkham! Alors, on apprend un nouveau sort. Je vais le mettre là. Je vais garder le coup de pied rotatif.
Oh la vache, mais attends, mais il a plein de... Il a besoin d'une partie des blessures. En santé. On va le mettre là. Et c'est l'évolution d'Ergan. Et bim! On va voir, on va essayer de lui faire ses deux évos aujourd'hui. La deuxième, il est niveau 36. Ah, la v'là! Ah, la lanterne, c'est pas tout de suite. Mais on y travaille. Oh, regardez-moi ça. On fait un peu de ménage de printemps dans notre vieille maison. Et ton amie Lydia m'a demandé de te livrer un message, Gertrude. Elle a trouvé la position d'Amélie. Tu dois rencontrer tes amis à l'orphelinat un petit peu plus tard, compris? Ponté divine, ton œuf de tyran n'a toujours pas éclos. Et coucou, Lucas! Ouais, le jeu est vraiment sympa, ouais. Et si j'étais toi, je ne combattrais pas Vados sans mon propre tyran. Ce serait un combat très court et très triste. Oh là là. Bonjour, toi, petit robot. Oh non. Ne me crains pas, je n'ai pas la force de t'écraser, bien que ce soit la seule chose que j'ai envie de faire là tout de suite. Mais qui sait? Peut-être que cette machine de résurrection peut fonctionner sur moi. Elle veut pas me filer son pouvoir, Jacqueline? Les gars, on doit se dépêcher de détruire cette machine. L'âme d'Omnicron a été détruite, c'est pourquoi on ne peut pas le faire revivre. Mais ses enfants pourraient effectivement trouver un moyen de revenir. N'est-ce pas une bonne chose? Ils ont été super serviables avec nous tout ce temps. J'ai aucune idée pourquoi ils sont si gentils avec nous. Mais ça ne leur ressemble vraiment pas. Il y a quelque chose de vraiment louche. Par contre, tu as entendu? Lydia a localisé Amélie. On devrait aller à l'orphelinat une fois qu'on a fini dans cet endroit. Mais elle a raison. Sans notre propre tyran, on a aucune chance contre Vados. Bah, faut vraiment qu'on make the tower. Il me faut les autres. Je peux aller là? Non. Et là? Je suppose que ça va être open au milieu. Oh, c'est l'évolution de la petite crotte de tout à l'heure. Excellent travail, vous tous. Vous avez déjà prouvé... faire partie des meilleurs dresseurs de la guilde. Avec les membres de ce culte vaincu, leur expérimentation ont pris fin. Et la ville est en sécurité maintenant. Attendez, le chef des cultistes est introuvable. Ouais, il y a un truc qui cloche. Où est le leader? Est-ce qu'il s'est juste enfui? Oh, peu importe. J'ai trouvé la machine sur laquelle il travaillait dans la chambre derrière moi. La destruction du dit appareil est notre priorité absolue. Allons-y. Elle me soigne encore? Oh, il y a des restes de provisions d'Edouard. Et voilà, prends-les donc. Je veux pas me soigner. Gertrude, une fois de retour à la capitale, va payer une visite au bâtiment médical. Comment ça, va payer une visite? Tu dois vraiment faire vérifier ce problème de pause. Ah d'accord. Ah oui. Ah ouais, fais ça s'il te plaît, j'ai besoin de tourner la page. Quelle bande de bâtards. Alors, inventaire. Tac. Je vais utiliser cela. Paf. Bah dans 9 niveaux, on verra pour Alan. Il y en a quand même 380, c'est ouf. Hein. C'est ouf. Ah bah c'est cassé. C'est sans aucun doute ce qui a énervé les Noxémons locaux. Je me demande si les plans originaux sont dans le coin. Si l'un d'entre vous trouve les plans, ils doivent être immédiatement détruits. D'anciens monstres sont la dernière chose dont nous avons besoin maintenant. Mais monsieur, les plans seraient une valeur inestimable. Le plus grand des esprits d'une génération. Le plus grand psychopathe d'une génération, Bonnie. Et tout ce qui va mal dans notre monde résulte d'Omnicron et de ses maudites progénitures.
Oui, bonjour. Oui, bonjour. Si cette secousse est le fait d'un monstre ressuscité, je jure! Oh, patate! Un dragon! Mais qu'est-ce que cette chose fait ici? Mince, celui-là va être dur à cuire. Cette journée pourrait-elle être pire? Eh ben, y en a un deuxième? Eh ben, super! Ah, oh, je déteste mon travail! Cela pourrait-il être... Ouais, s'il te plaît, tais-toi. vous m'avez dit que les dragons attaquent seulement les tyrans, pas les humains. C'est vrai, mais il y a quelque chose qui cloche avec eux ces derniers temps. Concentre-toi maintenant, on réfléchira à ça plus tard. Je vais me charger de celui-là. Et vous autres, liguez-vous contre l'autre. Salut. Tu veux bien être mon copain? Oh. Il est niveau 1 500 000? Quoi? Pardon, mais quoi? Ça va pas bien se passer, hein. Oh là là, je suis pas bien. Comment ça? Il esquive. Oh! 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 Mais quoi? Mais comment? Non, 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 c'est pas ça que je veux. Ouah, mais pourquoi il met des patates de forain? Oh! I'm afraid. Ok, vas-y. C'est une esquive incroyable d'Olendil. Ok, plus que 100. Ok. Oh, je suis paralysée. Je suis paralysée. Objet. Don't kill me. Ok. Yes. La vache. Tout va bien. J'ai même pas eu peur, tout s'est très bien passé. La page. Ah, oh, il déconne zéro, hein. Bonnie, est-ce que l'activité de la machine a attiré les dragons? Négatif. Et les dragons sont conçus pour chercher les tyrans, rien d'autre. Gertrude rapporte que le tyran Nivalis était là plus tôt. Et peut-être que c'est ce qui a provoqué les dragons. Et coucou Adra. Comment que ça va? Négatif, monsieur. Nivalis est un tyran relativement faible. Les dragons ne devraient pas venir aussi profond sur Terre pour une telle proie. Quelque chose d'autre a attiré les dragons. Très bien, alors. C'est quelque chose que je dois examiner plus tard. Mais pour l'instant, nous devons profiter de la victoire. Retournons à l'avant-poste de la guilde. Et nous méritons un petit peu de repos. Non, non, il n'y a pas eu de décès. Tout va bien. Tout s'est bien passé. Hey! Oh, c'est la voyante. Oh, hey, Gertrude. Et ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus, hein? Non, je ne suis pas morte, c'est une illusion psychique. Bref, je viens juste m'assurer que tu honores ton destin ou quelque chose comme ça.
Cette machine de résurrection est vraiment une vilaine création, n'est-ce pas? Bien dommage qu'elle ne fonctionne pas, cela dit. Pas encore. Ok. Eddie, et si tu détenais les plans, qu'est-ce que tu ferais? Guy. Oh oh, c'est malicieux. Je t'aime bien, Gertrude. J'ai vraiment hâte de voir ton projet abouti. Voici un indice. Les plans sont quelque part dans cette pièce. Regarde dans les caisses. Si tu trouves les plans, garde-les. Et n'en parle pas à Edouard, ok? Edouard est une personne ennuyeuse. Et tu veux t'amuser, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, le moment est venu. Je saurai quoi faire de ces plans. Ouais, on va les garder pour nous. De toute façon, on sait qu'on va détruire le monde, donc... Je vais prétendre que j'ai rien entendu. Quoi que tu fasses, souviens-toi que nous devons retourner à l'avant-poste de la guilde de la toundra gelée pour récupérer notre récompense. Dis-le-moi quand tu veux partir. Yes. On va fouiller les caisses, du coup. Bah voilà. Ouais, on va pouvoir faire des bêtises. Mais attends, la Jacqueline, elle devait pas me filer son power? Oh ouais, et t'as tout ce dont tu as besoin? On peut partir maintenant? Il nous redescend en bas. Oh bah il nous ramène là! Terrible! Ma récompense! Des sous-sous! Gertrude, tes efforts ont assuré la sécurité de cette ville. Mais oui, non, mais grave, elle est où, Nadine? Il est où, mon truc d'eau, là? Je suis deg. Ou peut-être la sécurité du monde entier, si cette machine avait réellement fonctionné. Et tu as prouvé faire partie des meilleurs membres de la guilde de dresseurs. Par mon autorité de Grandmaster, et par la présence de Proméus, je te promets, dresseur d'or. Waouh! J'ai un upgrade. Et bim! Tu as réalisé que cette manie n'est pas normale, hein, pas vrai? Mais pourquoi tout le monde me troll? Je suis contente. Oh, encore une chose. Une femme étrange te cherchait plus tôt. Je crois qu'elle est en bas. Attention, par contre, elle a clairement un problème d'humeur. Ah bah, c'est peut-être elle. Bien sûr, voici ta récompense pour avoir sauvé la ville. Des sioux! Oui! Maintenant que, si tu veux bien m'excuser, j'ai une guilde à diriger pendant l'absence mystérieuse d'Amélie. Ne t'inquiète pas pour elle, par contre, je suis sûre qu'elle va bien. Amélie est une dresseuse formidable. Ah ouais, c'est bon à entendre. Hé, hey, pourquoi ne parlez-vous pas à Edouard des magouilles d'Amélie? S'il lui est loyal, la dernière chose qu'il a besoin, dont on a besoin, c'est qu'il nous poursuive. Allons en bas, parler avec Mérida. Ça y est, on va avoir... Attends, je vais peut-être juste me heal avant, là. On sait jamais. Si elle a le seum contre le robot, elle va peut-être vouloir, comme les autres, qu'on se battait. Auquel cas, mieux vaut être meilleur de notre forme. Touk. Yes. Oh, par contre, c'est cool, on est passé en or. Trop de bagarres dans ce jeu, c'est ça. Ah, c'est affolant, hein. Bah oui, on va avoir un truc pour marcher sur l'eau, probablement. Oh, du coup, on va pouvoir aller chercher toutes les caisses et les trucs et les machins qu'il y avait dans les grottes où il y a les étendues d'eau, on ne peut pas passer. Hé hey, et vous ne ressemblez plus à un fantôme. On peut se matérialiser pour un petit moment. C'est facile de duper les mortels. Et bref, je suis ici pour te donner le reste de mon pouvoir, comme promis. Oh, on n'a pas besoin d'aller sur votre tombe? Ma tombe est trop loin, et dans Palmaya. Et tu n'as pas le temps d'aller jusque là-bas. Trois éléments absorbés, il ne veut toujours pas éclore. Pourquoi nous aidez-vous? Vous et vos frères et sœurs, tu devrais déjà savoir. Et les tyrans qui se battent pour le trône de mon père sont des successeurs sans valeur. Mais cet œuf, il contient le tyran ultime, un véritable héritier de la lignée d'Omnicron. Comment savez-vous? C'est juste un œuf stupide. Pouf! C'est une question à laquelle vous répondrez vous-même en temps voulu. Concentre-toi sur l'éclosion de cet œuf, Gertrude. Nourris-le encore et encore de plus de pouvoirs élémentaires et tu deviendras invincible. On peut vraiment vaincre Vados avec ça? Vados est une création humaine imparfaite. Techniquement, ce n'est même pas un vrai Nexomon. Par conséquent, il ne pourra jamais succéder à Omnicron, une vulgaire aberration. Ce qui se trouve dans cet œuf est un Nexomon suprême. Et tu ne perdras jamais. On se reverra, Gertrude. Ok. Oh, je viens de me rappeler. Nadine a dit que Lydia avait localisé Amélie. Elle demande à ce qu'on se retrouve à l'orphelinat. On devrait peut-être y aller. Of course.
tutoriel. Tu as pris les pouvoirs de Meridia. Oui, on peut maintenant marcher sur l'eau. Oui. Paf. C'est beaucoup trop cool. C'est beaucoup trop cool. Badge de défi. Qu'est-ce que c'est que ça? Inventaire. Badge de défi. Les dresseurs du monde entier voudront une revanche encore plus tôt. Ah, cool. Ok. J'en ai plein des charmes cosmiques. Pourquoi ils proquent pas J'arrive pas à les trouver, les petits cacas, là. Les rares. La fée et tout, je n'arrive pas à la choper. Alors, il me semble qu'on a une cache à aller chercher au sud. Ah non, non, moi je refuse. Oh, je vais pas lui donner mes nexos, il est fou. Et lui, est-ce que j'ai fait sa quête? Ah, au sud d'ici. Bon, on va aller au sud, hein, du coup. Allez. C'est ça. Donc, on en a un de plus. Eh bah, yes. Ça, c'est cool. Hop. Je pense qu'on pourra peut-être se craft un niveau 3. Enfin, si j'ai assez de ceux de terre, parce que c'est les plus chiants à choper. Oui, allez, battons-nous. Bête. Ah, ça y est, j'ai officiellement 10 niveaux de plus. Et bah, ouais. That's so cool. Oh. Mais c'est qui, lui? Je le connais pas. I don't know. Lui, je crois que je l'ai pas. Oh. Bah oui, bah. Danny. Danny is decided. Tiens, au fait, Camino, est-ce que tu as fini le deuxième DLC de Pokémon? Hé! Hey hey, coucou! Comment ça va, Fa? Il est trop cute, ce petit Mario. Oh! 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 Attends, il fait piou-piou. Il fait piou-piou. Faut pas qu'on le perde, ça va pas bien se passer. Comment il va, le Fabrice? Bon, on est pas trop sur du rétro là, hein, mais on doit te perdre du coup. J'allais t'alerter que ton stream n'avait pas de son, mais la vidéo était lancée en mute. Et bah, clap clap, c'est comme la dernière fois, comme soi-disant je te détruisais les oreilles avec ma musique, sauf que c'était pas la mienne. Un monsieur! C'est même sur le DLC, il y a du endgame. Ok. Oh, ça doit être assez complet quand même. Ouais, ouais, GG, ouais. GG, hein. Touk. Ou alors quoi de neuf? Ça se passe bien tes interviews? Je suis les replays. Avec assiduité, j'ai vu celle de Tilik. C'était rigolo. Il m'a un peu chafouiné, là, le Jean-Michel. Le Jean-Michel sur la rediff. Bah oui, oui. Bah tu reprends le rythme comme au dernier confinement, tu vas être encore crevé. Oui bah j'ai bien vu que tu l'avais recadré, ouais. Moi j'ai décidé de rename officiellement la saga des Kingdom Hearts, du coup. Pour lui rendre hommage. Ce sera maintenant les Kingdom Mega Hearts. Bon, je me suis permise de répondre aussi, hein. J'ai pas été trop... Mais bon, il fallait. Il fallait pour l'honneur, quoi, merde. Mais elle aussi, elle est chouette. Oh! Ok. Et
Ouais, bah écoute. C'est comme ça, malheureusement. Hein. C'est pas grave. Mais enfin. Je vais pas mytho, je m'y attendais un peu en vrai. C'est ce qui me stressait un petit peu parce que. Je me trouvais moins légitime. Bah que certains au final. Hein. Oh, mais lui aussi, il est pas beau. Qui ont plein de trucs hyper intéressants à dire. Mais bon, après. Encore une fois, moi j'ai passé un bon moment, c'était cool. C'était une bonne expérience à faire. Je ne regrette rien. Mais bon. C'est vrai que crotte, quoi. J'étais pas venue ici pour souffrir, hein. Mais pourquoi ils apprennent que des trucs à zéro? Apprenez des trucs qui font des dégâts, là. Ils sont tous nuls. Pourquoi ils sont tous nuls? Je veux des jambons. Oh, on est dans le camp, on était... Ah, on est passé là la dernière fois quand on s'est perdu. I remember. Non. Ouais, non, mais enfin, je te dis, je ne l'ai pas mal pris. Encore une fois, j'ai passé un bon moment. C'était cool. Vraiment, c'était cool. Et merci encore pour l'invitation. C'était vraiment super sympa. Faudrait d'ailleurs qu'on essaye de voir, hein, sans déconner, pour se faire une coop sur quelque chose un jour. Ça me plairait bien que tu m'inities à des trucs rétro, là. Que j'ai jamais fait, des trucs bien creepy comme Téléchat, mais en version jeu vidéo. Où je vais être nul, où je vais être en mode, mais faut faire quoi? Ce serait rigolo. Je pense que c'est par là, il y a une grotte. Là, je vais essayer de voir pour monter quelques coop. Après. Enfin. 2021, je pense. Parce que là. Avec le déménagement qui approche. Je vais partir. Je vais m'enfouir. J'aimerais bien, ouais, Caminou. J'aimerais bien. J'en parlais avec les modos là cet après-midi. J'aimerais bien essayer de renouveler, de faire quelques trucs un petit peu pour 2021. Parce que là, ça fait quelques mois où, bon, malgré moi, entre guillemets, mais je vis un peu les lives. Enfin, comment dire. En mode très très bien, hein, mais je propose plus de trucs comme je faisais avant, des trucs qui sortent un petit peu des sentiers battus et tout, parce que enfin j'ai pas le temps de préparer tout ça, quoi. Là, j'ai clairement pas le temps. Mais quand je vais être posée et que j'aurai déménagé, j'aurai plus de taille, mais j'aimerais bien pouvoir proposer à d'autres streamers se faire des coops sur des jeux. Pas forcément des trucs hyper longs, tu vois, mais des délires à la Trine, par exemple. Alors, pas forcément Trine du tout. Mais se prévoir des petits trucs, je pense que ça pourrait être sympa. Il faudrait que je regarde, je pense que dans le rétro, enfin ou dans des trucs que je connais vraiment pas forcément... Bah tiens, quand on parle du loup, salut chinininini, doit y avoir moyen de trouver des trucs sympas à faire. Le marathon Trine, j'en avais fait un avec Chini, ça avait été assez rigolo. Quoi que va. Oh là. Yes, à quoi? Tu nous l'as refait, mais avec les bonnes lettres? Des modos? Ou ça? Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Portal, ça me tente très bien, KO. Ouais, ça me tente très bien. Mais du coup, on est en train de réfléchir avec certains modos, parce qu'il y en a d'autres, hein. Super, hein.
Mais ouais, je leur ai demandé de voir. Ça te tenterait, Chenny, du portal? Moi, j'aimerais bien le faire. Ou comment tu... Ah, mais tu l'as déjà fait, c'est pas drôle. Merde. Bon, bah, pas ça, alors. En l'occurrence, voyez, Chenny, à qui vous pouvez lancer des tomates, on s'était dit, ça fait, sans déconner, au bas mot, hein, ça doit faire plus d'un an et demi. Parce que ça fait au moins 2-3 ans maintenant qu'on a fait le trin. Depuis le dernier le trin qu'on a fait ensemble, on se dit qu'il faudrait qu'on refasse un jeu en coop. Et au final, eh ben, ça ne s'est jamais fait. Et la demoiselle se dit que tiens, elle va peut-être reprendre la coop avec des gens. Les grands mots, là, tout de suite, là. Bah, j'avais voulu, avec Marie Zenours, bah, faire Trin 1. C'était mes buggés du cul de ouf. Le premier, j'ai jamais... Enfin, il s'est lancé. Il a buggé une fois. Il a jamais voulu se relancer. Mais j'avoue que... c'est le Trin 2 qu'on avait fait avec Chenny, ou Trin 3. C'était vraiment fandard. C'était vraiment sympa. Je sais plus si c'est le 2 ou le 3 qu'on avait fait. Mais ouais, franchement, pour le coup, Chenny, tu me dis, hein, que ce soit un trin ou que ce soit portal, moi, ça me tombe de ouf. Hein. C'est... Tu me dis. Je suis motivée. Comme je disais, là, faudra attendre mi-décembre ou début janvier. Enfin, je pense que j'entamerai rien avant mi-décembre, enfin, avant que je sois installée dans mon nouvel appart, parce que ça sert à rien. Si c'est pour commencer un truc et puis faire 2 semaines de pause, c'est chiant. Mais après, moi, je suis carrément saucée. Hein. C'est le 2 qu'on avait fait. Ah, je sais plus. C'était il y a trop loin. Ça fait trop longtemps que j'attends la suite. Mais M Snob. Le 2 reste en plateforme de profil. Le 3, ils ont ajouté une touche 3D. Ah bah, j'ai pas fait le 3 et le 4 du tout, alors. C'est vraiment, ouais, vue de profil, les deux que j'ai fait. Ah, qui rend le jeu moins bien. Ah, merde. Et il est même pas fini. Ah. D'accord. Bon, on va peut-être pas faire le 3, du coup. Le 4. Après, pas sûr que j'enchaîne 2 samedis de trim, faudra voir. Mais ouais, mi-décembre, ça peut se faire. J'ai potentiellement une tierce personne pour compliquer les choses. Ouais, bah carrément. Avec Arc, je suppose. Ouais. Bah, c'est jouable à 4, je crois, Trine. Je pourrais essayer de trouver quelqu'un aussi de mon côté, si tu veux. Comme ça, on le fait full. Enfin, je crois que c'est 4. Non, c'est 3. Ok. Bon, bah, j'ai rien dit. Mais ouais, carrément. Il a l'air cool. Ah. Yes, on fera ça. Bah, on en recause. De toute façon, c'est comme disait, là, j'aurais que ça à penser pendant que je défais mes cartons et tout, donc... on va encore passer 5 heures pour avancer 2 mètres. Putain, j'avoue que le DLC... Oh, il avait été long à passer, hein. C'est bon, on a bientôt fini? Non, il reste encore à peu près 10 heures de jeu. Ah. Les deux mains gauches. Mais ouais, ça peut être cool. Et coucou Lou, je suis un peu fatiguée. Alors je vais dodo, mais je tenais à faire un petit coucou. Bah, c'est très gentil en tout cas de faire un petit bisou. Gros bisous à toi et puis bon dodo, bon repos. Biou biou. Ah si si, on a tout fini Chenny. Ah si si, on a tout bien fait par contre. On a totalement tout bien fait. Mais du coup, oui, grave, si tu connais des jeux un peu à l'ancienne, ou même tout le monde, si vous avez des idées de jeux qui se jouent à 2 ou 3 max, je dirais, mais genre où vraiment il y a une story et où il y a une aventure ou quoi, n'hésitez pas à me dire. J'avoue que j'en connais pas trop. Alors, si possible, évitez les jeux de pampan avec des zombies, parce que moi j'aime pas trop ça, mais c'est... Je voudrais vraiment essayer d'instaurer ça une fois de temps en temps, de faire un peu plus de multi avec vous. Avec vous ou avec d'autres streamers.
histoire de vous faire rencontrer des gens. Des gens bons. Pour que vous m'abandonniez. Que vous alliez voir ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la mine? Et dans la mine? Des donuts, yes. Manger? Ça va falloir bosser, monsieur, hein. Tout est faisable, faut juste qu'on définisse le style que tu recherches, histoire d'orienter. Bah, j'avoue que... un petit peu de tout, en fait, Wigraf. Je suis pas... vraiment, enfin, je suis pas fermée à un style de jeu en particulier. C'est... J'aime bien découvrir des trucs. Franchement, après, faut juste trouver les gens pour les faire, quoi. C'est... Mais je suis pas... Non, je sais pas. Je bosse depuis lundi, ça suffit. Ouais, j'ai vu que t'étais allé sur Baldur, là-bas, avec Arc, d'ailleurs. Ça m'a étonné parce que... Mes voisins ont foutu le bordel pour changer quand t'étais dessus la dernière fois. Et quand j'ai l'heure qu'à 3h du mat, t'étais encore en live. Je me suis dit, mais allô? Qu'est-ce que ça se passe? Elle ne bûche plus? Bah ça, j'ai... Attends, faudrait que je regarde quel jeu c'est. Mais j'ai un truc un peu type Divinity. C'est pas Divinity, mais... Vous avez terminé à 5h du mat? Ah ouais! Ah oui, donc le jeu doit être plutôt sympa. J'ai vu quelques images où tu peux faire du lancer de nain. Après, je pense peut-être à des jeux pas si longs que ça. Après, j'en sais rien. Ça dépend, mais... Oui, j'ai vu Alpha Cast, ouais, dessus. Avec Nico... Nicolas Bim, là, c'est ça? Nico Bim? Je l'aime bien, lui. Il est rigolo. Non, c'est Colabim. Pardon. Il est trop pipou, ce mec. C'est du JDR. J'adore. Quand le choix influence l'histoire, chacun fait ses propres. Ouais. C'est vrai que c'est sympa quand le jeu, tu peux... Enfin, quand tes choix influencent vraiment, parce qu'il y a beaucoup de jeux qui te vendent ça, genre... Bon, il faut... Enfin, c'est, tu fais des choix et ça s'inspire, enfin, ça définit vraiment, mais en fait, il y a beaucoup de jeux où Walou, quoi, ça fait que dalle. Pour un jeu de platforming énigme, un peu comme Trim qui se joue à deux. Ok. Ah, faudrait voir, je ne connais pas. Et je noterai tout ça. De toute façon, je vous redemanderai à l'occasion si vous avez des idées. Mais ouais, j'avoue, Portal, j'aimerais bien faire Portal, je l'ai jamais fait. Ça a l'air rigolo. Pareil, ça a l'air d'être un peu énigme et tout. Je suis un peu nulle à ces trucs-là, mais ça peut être marrant. Elle m'a fait découvrir l'option de recherche Steam. Faut cocher coop dans les recherches, du coup. Un monde merveilleux s'est ouvert à moi. Ah yes, j'avoue. Je regarderai ça, ouais. Parce que bon, faut que ce soit en français aussi. Non, mais non, bah, je dis non, je comprends rien. Ah, il y a une cache! Yes! Des sous-sous dans la pop-poche! Oui! C'est du plateforme. L'histoire est fond et en fond est drôle, mais les casse-têtes, faut avancer. À coup de portail. Ah, ça peut être prise de tête. Ouais, bah faut expérimenter! Une palette graphique et du jeu à trouver très sympa. Ok. Bonjour, chat pourri. Oh bah oui, il y a des cartons partout. Hein. Voilà, tu devrais être bien ici. Tu casses pas les cartons, s'il te plaît. Ah non, mais déjà, autant... Si tu veux bien, hein, faire une... qu'on se refasse une coop. Autant essayer de faire un jeu que tu connais pas non plus. Je trouve ça plus sympa de découvrir des jeux... Moi, je sais que je préfère découvrir des jeux que de refaire dès que j'ai déjà fait, quoi.
Mais oui, je me note ça. Un jour, je trouverai bien quelqu'un qui l'a pas fait. Il y a peut-être encore des gens comme moi qui n'ont pas fait ce jeu. Qu'est-ce que t'as, mon doudou? Viens pas te coller, je me suis dépoilée avant le live. Et sa capacité à réfléchir, yes. Je pense qu'on est pas trop mal. Ils nous ont dit de remonter à l'orphelinat. Alors attendez, on va juste voir si on peut valider la quête qu'il y a là-bas. Est-ce qu'on les a tous fait, les méchants pas beaux, là? Ah! Non, non, je veux bien! Attends, ça me dit quelque chose, Nigri. Attends. Il y a un jeu qu'on avait fait... Ah oui! Oui, il avait l'air cool ce jeu. Pareil, il y en a un... Ouais, oui, ça je vois lequel c'est. J'avais déjà vu, ouais. Lui, il a l'air très très sympa comme jeu. Degree of Separation, ouais. Il a l'air vraiment très très cool. Il y en a un autre qui est sur... Je sais pas s'il est sur PC ou que sur Switch. Il m'avait fait de l'œil aussi, où tu fais... Enfin, tu joues deux espèces de petites pelotes de laine. Il a l'air très très mignon aussi, celui-là. De quoi? Pardon, j'ai pas compris, Shin. Bonjour. Ah, on veut encore un. Oh! Oh, ça c'est l'évolution de Myanko, sûr! Oh, bah, elle va être cool! Ah, tu parles de ce jeu-là, Shinny? De Nexomon? Bonjour, je n'ai pas suivi la conversation dans le chat, je suis perdue. Allô? Yes! Il est cool, Nexomon, Shinny! Il faut faire Nexomon, ils sont tous totalement pipou kawaii! Ouais, c'est totalement un Pokémon-like, mais avec une vraie histoire. Et elle est drôle, l'histoire. Elle est vraiment... vraiment drôle. Non, 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 pas Temtem. Non, non, vraiment. Le jeu est fini. Du coup. Temtem, j'ai totalement laissé tomber. Hein. J'y suis retournée à la dernière mage. Je dis, bon, vas-y, on reprend et tout. Ils vont avoir mis des trucs. Ça va être sympa. Et au final, LOL, et bah... C'était même pas en français. J'étais un peu dégoûtée, j'ai éteint le jeu, j'ai fait désinstaller, je fais bon. Bah, salut alors. Hein. Je sais pas si on les a tous. Ça m'a un peu chafouiné. Ça s'en est pas. Hein. Temtem n'a jamais existé. Non, mais le jeu est pas mauvais en vrai. Hein. Mais il faut que j'arrête de dire non. Je sais pas, je trouve qu'ils ont mal géré pour le coup là. Ah. Ouais, 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 il a l'air cool. Ah, si ça te tente, Shinny. Apparemment, ouais, c'est un jeu en coop. Ah, il y en a encore un là. Je cherche juste les villes gredin. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Mais il avait même pas de quête. Ok. Allez. Si je fais que les samedis en coop, j'aurai jamais le temps de faire tous les jeux qui existent et que j'ai prévus. C'est un enfer! Bah, tu me dis, moi, le samedi, normalement, je live pas pour l'instant, mais ça me dérange pas de live une fois de temps en temps, si c'est pour faire de la coop. Hein. Ou si tu veux mettre ça sur un autre jour, bah, on met ça sur un autre jour, y a pas de problème. Sauf le mercredi soir. Bah, ou en matinée, hein.
Moi, tu me dis, sur les lives du matin, ça me gêne pas non plus. Hein. Très clairement... Ouais, bah oui. Ah oui, c'est vrai que tu bosses le soir. C'est vrai. Pardon, j'avais oublié ce petit détail. Bah, pas de problème. Tu sais, normalement, les matinales, je les commence à 10h. Je peux décaler d'une heure si on commence une heure plus tard. Hein. Enfin... Il n'y a aucun souci. Après, tu sais... Et les plannings sont là pour être modifiés et modulés. Il n'y a pas de problème. Moi, du moment que c'est prévu à l'avance, histoire que je prévois que je peux dormir une heure de plus, ah, il n'y a pas de souci. Absolutely no problemo. Je garde vendredi et samedi et trop... Ouais, ouais, pas de problème. Non, non, mais tu me dis. Pas de sushi. Tu me dis, ce sera avec plaisir. Mais ouais, effectivement, celui-là a l'air vraiment sympa. Tout me va. Je m'adaptasse. Vingt boules à jouer à la liste de souhaits. Je vais guetter les soldes. Oh bon, en fin d'année, on va bien avoir des soldes de Steam. Je vais le mettre aussi... Attends. Je vais juste le mettre aussi... Tiens, on va le mettre là. Je vais le mettre aussi dans mon truc Steam parce que... Oh ! Évolution de belle mine ! Je répète, évolution de belle mine ! Oh, il est stylé ! Il est trop cool ! Bah oui, c'est le cuistot, of course. Yes. Alors, est-ce qu'il évolue again? Ah, il est fini. Il est trop cool. Belle niche. Hop, est finito. Hop. Ça va, on est bien niveau évolution ce soir. On est bien, ça avance. Bon là c'est un peu chiant parce que je vais pas pouvoir y retourner de suite. Par contre ce que je vais faire... Du coup, paf. Je vais mettre les 3-3 aux deux autres. Attends, il est full 3 là, Alan ? Ou je rêve ? Ah non, il a un 2 quand même. C'est Ratatouille. Oh ! Ok. Ah bah ça c'est cool. Bon, on va pouvoir aller le déposer en fait. On va pouvoir aller le déposer. J'aurais bien aimé... Il n'y a plus rien là de toute façon. Oh ! C'est une Evo, elle. Ah oui. Oui, mais c'est une Evo. Enfin, je crois. Ou c'est elle, l'évolution, ou... Putain, je comprends rien à leur truc. Je comprends pas si c'est elle, celle d'avant. Attends. Comment on va à celui d'avant? Ah non, c'est elle la Prumps. Ah non, c'est elle la Prumps. C'est bon, je prends. D'accord, c'est la base. C'est celle de base. Non, je ne fuis pas. Viens, copine. Et bonsoir, Tilik. Comment que ça va? Zabadi! Oh mais franchement j'ai trop de chat ce soir. Non, il n'y a pas de disparu. Tout se passe bien, personne ne décède.
Ce mignon Nexomon fredonne des chansons la plupart du temps. Certains disent que c'est pour dresser les cheveux des vipères vivants qui semblent avoir un esprit bien à eux. Par contre, il y a plein d'évos aujourd'hui. C'est cool. On travaille bien. Tchoukou. Abyssine. J'ai pas fait Abyssine. Non, bah ce sera. Voilà. Quel talent, n'est-ce pas? Cool. Alors. Ah, je peux pas aller là? Sérieux? Ah, par là. Quand je vais voir, il y en a peut-être d'autres cool. Non, c'est encore une Abyssin. Oh, bah c'est un pont. Ah, ça va même de l'autre côté. Mais... Ok, je sais où on est. C'est le pont que j'avais découvert la dernière fois. Il regarde pas par là. Très bien. Je suis un dresseur, puis-je te déranger pour une demande Ok, ne vous inquiétez pas, madame, Gertrude et moi savons tout faire. C'est mon alliance. Je l'ai fait tomber du pont. Elle est perdue pour toujours, désolée. S'il te plaît, elle doit être quelque part en bas. Si mes calculs sont bons, la bague a dû tomber quelque part près de... Elle atterria. Ça n'aide pas vraiment. La récompense sera infiniment grande, je te le promets. Tout ce que je te demande, c'est de garder l'œil ouvert si jamais tu la trouves dans le désert. Ah, une clé de coffre. Ça, ça peut être bien. Et du coup, voilà, on revenait ici. Et c'est en baladant de ce côté-là de la map que je l'avais trouvé. Donc, du coup, on va juste en profiter... Vu qu'on va aller à la Capi avant d'aller à l'orphelinat. Je vais juste en profiter pour prendre les quelques caillasses ici. Si on peut se faire notre plus 3. Ouais, les expressions sont cool. Et en fait, bah Coco, là, le petit chat qui te suit. Enfin, pas celui qui me suit présentement. Ça, c'est le cadavre de Maryse. Il a des mimiques et des dialogues. Mais c'est trop fort. C'est vraiment le meilleur perso du jeu. C'est lui qui fait tout. C'est vraiment lui qui fait tout. Oui, parce que Maryse est morte et je fais un espèce de nuzlocke un peu cassé, quoi. Mais Maryse est décédée. Et en fait, tu gagnes dans le jeu... profil. Dans le jeu, tu gagnes des adeptes. C'est des espèces de petites poupées, comme des espèces de petites poupées de différents Nexomons. Et tu peux les mettre qui te suivent. Et celui-là, c'est celui qui représente Maryse. Donc du coup, c'est comme si son cadavre me suivait again and again. J'ai la balade avec moi, vu qu'elle râle parce qu'elle est morte. Bah du coup, je lui dis, mais non, mais c'est bon, t'es quand même là. Oh! C'est toujours... Ça allait un petit peu avec nous. Quand t'es mort, tu peux pas revenir à la vie. Pour le défi Nuzlocke, non. Mais comme j'ai dit, vu que je veux faire le jeu à... Enfin, je veux toutes les, toutes les évolutions comme quand je fais un Pokémon. Elle reviendra à la vie comme ceux qui sont malheureusement décédés à la fin. Je les ramènerai pour les pexouiller, mais c'est que quand on aura fini l'histoire principale. Pat avant. Avant ça, ils sont dans ma boîte des décédés. Comme Caminou, comme Wolfteam, comme Sikelio... Comme Kazoo. Comme Dani. Ils sont un petit peu trop nombreux. Il n'y en a pas eu tant que ça, mais il y a eu quelques dommages collatéraux. C'est pas de ma faute, ok. J'ai vu Wolfteam, c'est le premier à être décédé. Ça arrivait comme ça, d'un coup, pim bam boum. Et du coup, t'as un système de craft dans le jeu où tu peux te crafter des espèces de gemmes que tu peux équiper sur tes Nexomons qui up l'XP, qui up... Ah bah, une évo de Maryse. Qui up l'XP, qui up la défense, qui up l'attaque, etc., etc. Tu vois. Par exemple, lui, il a des trucs qui up son gain de niveau en combat, qui up un peu l'attaque. Bon, ça, c'est un peu pourri, mais c'est mieux que de rien avoir. Et en minant...
C'est le matériel en fait qui te permet de crafter ça. Pareil, tu peux craft des Nexoballs, bon, l'équivalent des Pokéballs. Tu vois. Tu peux en craft aussi avec ça qui te permettent d'en choper de différents types. Ouais, c'est ça. Mais tu peux gagner surtout le long du jeu, t'as plein de petits trucs que tu peux win comme ça. Qui te facilite un petit peu, enfin, ou facilite, qui facilite certains trucs dans le jeu au final. Attends, je suis perdue. Mais ouais, franchement, c'est cool. Le jeu est vraiment bien, il est complet sur plein de trucs, moi j'aime beaucoup. Voilà, l'évolution de Danny, qui est décédé aussi. Ça, c'est Tilik, avec sa mèche. Ah! Hop là! Alors, on va juste aller par ici, vu qu'il y a le TP des terres sauvages. Pas de soucis, des bisous Chini, merci d'être passé en tout cas. Biou biou, et on se tient au courant avant 2022. Yes. Avec plaisir, mamzelle. Je vais aller déposer. Je vais aller déposer Belmiche. Alors, Evomax. Belle mine. Hop là. Alors, on a qui ? Arco. Alan, c'est bon. Donc, c'est Bru-Bru après. Bru-Bru qui évolue en 1432. Le jeu, je l'ai fini sur, sur une version crack, sans les rajouts qui facilitent le jeu. Puis j'ai installé la version Steam pour continuer le jeu. Ah ouais? Moi j'aime pas craquer des jeux, je l'ai fait qu'une fois ça craquer des jeux. C'était Merde, comment il s'appelle? Il y a le 2 qui sort là. Watch Dog. En plus, j'ai trouvé ça nul. C'était pour me punir, parce que craquer c'est pas bien. Alors, est-ce que j'ai assez pour craft de la 3? Dites-moi que je peux craft de la 3! Oh, je peux en faire qu'une! Ah, il sait. Ah, d'accord. Oui, si après tu l'achètes plus tard, éventuellement. Ah, ça pas non plus de ouf, hein, ça va que jusqu'à 10. D'accord. Ça, ça peut être bien, les trucs d'énergie. Bon, j'en ai fait un. J'en ai fait un. Ah mais attends, à qui j'en ai filé un deuxième du coup? 1, 2, 3. Donc j'en ai quand même un deuxième. S'il vous plaît. Merci. Ils nous ont dit d'aller où? Si, à l'école, à l'académie. Nyan. Sur la version crack, il n'y avait pas les noyaux de synergie. Ah ouais? Bon, c'est bizarre. C'était modé du coup? Que généralement sur les versions craquées c'est quand même plus ou moins la même chose, non? Voyons maintenant, Lydia a dit de retourner à l'intérieur de l'orphelinat. Mais pourquoi est-elle venue jusqu'ici? C'est une excellente question.
Je suppute qu'elle va être dans le bureau. Ah, Gertrude, c'est bien. Ah, quel est ce robot ? Un robot ? Salut, mon nom est Atlas. Ah ! Qu'est-ce qui ne va pas ? On s'est déjà rencontrés ? Oh mon... Waouh ! C'est trop cool ! Il flotte et tout ! Pour de vrai ? Regarde ce design ! Où l'as-tu trouvé, Gertrude ? Je suis le meilleur acolyte. Je vous ai tous réunis ici, car nous avons peut-être trouvé la position d'Amélie avec l'aide d'Elisa. Vous avez déployé tant d'efforts en vain. J'ai eu pitié. Et voyons, Amélie est... sous l'eau. Ah bah oui, c'est vrai, on l'a vu. Et coucou Elwing. Comment que ça va? J'ai juste pris le crack, mais la mâche qui facilite. Ah d'accord, aussi. Ok. I understand. Elle a coulé. Mais tais-toi, Ross. Il y a une cité sous-marine pas loin. Quoi, sérieusement? Je n'ai jamais entendu parler de quoi que ce soit de la sorte. C'est dur à croire, mais j'ai vécu pendant 100... je veux dire, un tas d'années et je m'en souviens très bien. Mentor, il est chelou. À l'époque, la guilde des dresseurs était désespérée de reconstruire des... était désespérée. Et... Oh la vache! Attends, on recommence, bonjour. À l'époque, la guilde des dresseurs était... désespérée de construire des refuges pour que les humains puissent se protéger des tyrans. La cité capitale de Porum, la forteresse souterraine d'Ignesia, le bastion vers les cieux des Drakes, et pour finir, la cité sous-marine de Cadium. Cadium ? Ça ne me dit rien du tout. Ce fut un échec parmi d'autres échecs. La guilde a essayé de l'effacer de l'histoire. Waouh ! Vraiment ? Et qu'est-ce qu'elle est devenue ? Tu sais, le mieux c'est que tu vois par toi-même. Et donc Amélie se cache dans une cité sous-marine abandonnée ? Elle n'est pas exactement abandonnée. De nombreux citoyens d'origine ont refusé de quitter Cadium il y a plusieurs générations. Ils ont choisi d'y rester. Donc aujourd'hui, leurs descendants y vivent avec une connaissance marginale du monde d'au-dessus. Cadium était autrefois connu sous le nom de la Cité des Sciences, avec toutes sortes d'équipements qu'Amélie pouvait exploiter. C'est notre chance d'entrer dans Cadium et de saboter quoi qu'elle fasse. Il est fort probable que Vados soit aussi caché là-bas. On peut en finir une bonne fois pour toutes, mais... Comment on fait pour y aller? Je ne peux pas retenir ma respiration trop longtemps. Tu fais exprès d'être stupide? Je peux vous guider. J'ai trouvé un moyen de vous y emmener. Venez me retrouver à l'extérieur de l'orphelinat. J'avoue qu'il est un peu couillon le roux. Hein. Est-ce que tu fais exprès d'être con ou c'est de naissance? Et par ici, Gertrude! On va vers le sud-ouest, derrière le camp. Et bah, j'arrive. Derrière le camp. Au sud-ouest. C'est où le sud-ouest? Ah, une pierre. Je prends. C'est par là. Est-ce que je suis déjà venue ici? Oh! Je peux aller là? On peut aller dans le trou? Oh la vache! Ok! Trop bien! Un endroit totalement inadmis où on n'a jamais mis les pieds! J'adore! Piouf. J'avais pas le droit de la voir dans le crack. Mais c'est trop bizarre! Moi, je pensais qu'un jeu crack, c'était le jeu en version pas bien, quoi. Enfin, en version faut pas acheter. Oh, est-ce que c'est une évolution ou est-ce qu'il y a que lui? Je veux ça, moi. Globob. Comment on cherche sur leur site de merde? Je comprends rien à leur truc. Globob. Ah, ok. Je suis trop honnête, moi je connais pas ça. Globlob.
Ah, oh, c'est une évolution. Merde. Bon, bah, pas intéressé. C'est pas de temps. Ah, je l'ai peut-être. Blob, blob. Je sais pas si je l'ai. C'est une petite boule. Ah bah, c'est lui. Bah, je l'ai. Ok. Je sais plus qui c'est. Mais je l'ai. Faut que je le fasse évoluer. Depuis, je suis passé à la version légale pour 100%, le jeu est devenu facile. Ah bah tu m'étonnes, si t'avais pas accès à la moitié des trucs, je veux bien te croire que t'en as un peu chié, quoi. Mais du coup, chais. T'es pas bien de craquer les jeux. Je sais que c'est cher, les jeux vidéo. Oh, une cache. Des sous. Oh, c'est ma dernière clé, je crois. Oh, j'ai plus de clé. Si. Si, j'en ai encore une. Yes. Qu'est-ce que t'as, petit chat pourri? Ok. C'est pas ouf non plus ce qu'on gagne là-dedans, en vrai, hein. Bah, ouais, je sais pas, je vois pas ça comme ça, vu que l'émulation, enfin, clairement, le site, il est connu de tous, il est toléré, il est accepté, c'est les... Enfin... Je sais pas trop. Quand tu craques, tu vas télécharger des fichiers cryptés dans des sites... dans des sites pirates. Pirates. Je crois que même si je voulais, j'arriverais pas à le faire. Ah bah je sais pas, pourquoi c'est là du coup les ROM Station et compagnie, si c'est illégal, ce serait facile de fermer ça. Tout le monde sait que ça existe. Bon bah ça y est, on a visité, c'était bien. C'était bien! Est-ce que c'est par là? Oh c'est là! Un sous-marin. Il y a eu plusieurs sites de fermés. Je sais pas, je suis une novice dans l'émulation. Hors Nintendo. D'accord. Ah ouais, mais les sites de films en streaming, j'ai encore un traumatisme. Comment il s'appelait le site de streaming où je regardais des trucs avant? Je pouvais même payer un abonnement. Le jour où je me suis décidé à prendre un abonnement, le lendemain, le site a fermé. Ils en ont parlé dans les médias et tout, c'est un truc hyper connu. C'était noir et jaune. Mega Upload peut-être, ouais, Yuni. Et bah, j'ai payé les 15 balles d'abo à l'année, le lendemain, ça a fermé, j'étais dégoûtée. Eh bien, et nous y voici. À l'époque, les gens utilisaient ce type de véhicule pour descendre de Rocadium. Il y en avait beaucoup. Amélie a probablement le sien. Il semble verrouillé. Oui, la guilde les a démantelés. J'ai sauvé celui-là, mais je n'ai jamais tout à fait réussi à le faire fonctionner. Oh, je pourrais me brancher dessus et déverrouiller la porte. Tu peux faire ça? Trop cool! Waouh, bravo Atlas! Impressionnant. Ce robot a de sacrés atouts. Je suis d'accord. Ouais, peu importe, dépêche-toi. Fais, c'est bon maintenant! Ah non, Wolf Team, je cherche. Je demande à Google, c'est lui qui cherche pour moi. Et c'est une vieille machine. Et ce sera un voyage lent, ou peut-être qu'elle va exploser. Ah, c'est quoi ça? Il y a que quand je peux, je les prends sur Netflix. Bah, quand ils y sont, quoi. Ce sera un voyage long et lent. Super. Et d'après ce que m'a dit Lydia, Vados, c'est une véritable abomination. Il est pire que n'importe quel tyran. Il faut l'arrêter. Gertrude, tu pourrais bientôt affronter Amélie. Et en fonction de l'évolution des choses, il va probablement devenir l'ennemi de la guilde. Une traîtresse. Garde ça à l'esprit avant d'entrer à Acadium. Bah ouais, mais du coup, si on va vers le combat final... Moi, il me manque des trucs encore pour faire... Il me manque... Y a pas une map quelque part ?
il me manque encore totalement des fragments pour faire éclore mon œuf. Est-ce que c'est au petit d'y aller ou pas? Oh, bonjour toi. Mais oui, mais attends, j'ai pas regardé dans cette zone. Il y a peut-être des trucs cool. Excuse-moi. Il y a un mini pampa. Parce que si on y va et puis qu'on rencontre Vador là et qu'on se fait défoncer, c'est pas rigolo. Un exomon joyeux mais peu câlin qui aime sauter et utiliser ses étines pour se protéger et se battre. Est-ce qu'on a Adra? On n'a pas fait Adra du coup, bah non. Eh bien, Adra, tu seras un petit pampa. On a vu son niveau tout à l'heure et elle est cool. Adramos. What? C'est tombé. Attends, parce qu'il y a peut-être d'autres trucs cool en vrai par ici. Snush. T'es qui toi, Snu? Ah, je ne t'ai pas. Et tu as une évolution. Allez, viens, Snu! Yes! Cool! On en chope quand même quelques-uns. Alors, les snuches, ils sont plutôt lents et ils comptent sur le fait qu'ils paralysent leurs ennemis avec leur sport soporifique pour se défendre. Qui qu'on n'a pas? Pilou, pilou, pilou. Mais j'aime trop ce nom, Snush. C'est con, mais je trouve ça rigolo. Est-ce qu'on a Turkil? On n'a pas Inès, je crois. Trio. Non. C'est bon, attends. La petite Snush. Hop là, on va regarder. Visiblement, on n'en a pas trop pris dans le coin. Je remonte juste vite fait. Voilà. Paf. Ah. Ah oh bah ça, c'est sûr que c'est un de base. Ça, c'est sûr. Et coco. Oh bah je pense que c'est lui qui finit en... Comme celui qu'on a rencontré là tout à l'heure qui était trop stylé. Ça doit totalement être ça. Yes. Un starter lui. Alors, un exomon très curieux avec la capacité de marcher sur n'importe quelle surface avec ses pieds collants. Il aime se cacher des autres pendant de longues périodes. Tiki-tiki. Bah tiens, Constipouette. Les ultra rares, je n'ai pas aussi non. Ah ouais? Oh bah tu vois, pourtant je les cherche pas hein. Je les cherche pas, je check juste dans la zone. Vu qu'on n'avait pas encore fait ces zones-là. Non, ça doit être une évo. C'est gros. Je pense, hein. Oui, totalement. Et on l'a celui de base, tout va bien.
Toi, tu les as cherchés? Bon, je pense qu'il y en a, va falloir qu'on les cherche aussi. Hein. Là, quand tu regardes, il y en a quand même quasiment 400 des bibules. Ah ouais? Bah, tu vois, moi, celui que je trouve pas, c'est. La fée. Enfin, le truc qui ressemble à une fée, là. Tu sais, quand tu fais la. Quand tu fais la quête dans le laboratoire pour avoir le parfum là, qui attire les rares, j'arrive pas à les trouver ceux-là. Il y en a deux que j'ai trouvé, deux ou trois que j'ai trouvé hyper facilement dans les zones de départ. Je ne trouve pas les autres. Mais du coup, j'ose pas trop prendre le bidule. Est-ce qu'on peut vraiment y aller? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'aller là-bas? Parce que du coup... C'est le dab. Kiki. Oui. Et bah là, ils veulent que j'aille dans... Oh, et lui, c'est qui? Et coucou, Pablo. Oh, Pablo Estomar. Yeah. Merci beaucoup pour ton follow. Bienvenue. La bagarre. Bah, lui, c'est une évolution. Je sais de qui, déjà. Il a la même bouille. Mais oui, ils veulent que je descende, là. Sauf qu'ils ont l'air de dire que je vais rencontrer... Voldemort et que du coup il va me battre et que ça va pas bien se passer, mais j'ai pas encore fini mon œuf. Du coup moi j'ai pas un... Je peux y aller, c'est safe. Ok. Oh, je suis à 130 tourons. Yay. Bon bah on va voir. Allez. Cette chose mène à la cité sous-marine. On y va maintenant? Bah non, mais disais pas ça comme ça. C'est juste que... Oh, ah non, hein. Non, non, mais moi je veux perdre personne, là, je peux pas. Je peux pas me permettre de perdre des gens, faut pas dire ça. Et sois prudente, Gertrude, on ne sait pas à quel point l'influence d'Amélie est forte dans cet endroit. Mais t'inquiète, Tilik, pas de soucis. Bois ta petite tisane, j'ai envie de me refaire un thé, moi. Des bisous, Yuni. La bonne nuit. Merci d'être passé. Enfin, merci d'avoir passé la soirée avec nous. Et des bisous. Bon courage pour demain. Kalium. La cité de la science. Ceux qui sont restés ont voué leur vie à la recherche. Ils vont juste mourir. Mignon. Leurs descendants doivent être des gens extraordinairement cultivés. Ouais, ça ressemble plus à un squat, leur truc, en fait. Hein. Ah, ils parlent même pas la même langue que moi. Ok. Oh, ok. Oh, ce sont des idiots. On dirait qu'ils ont développé leur propre dialecte. J'imagine payer un auteur et finir avec une histoire pareille. Mais c'est la cité des sciences. Bien. Et votre mentor a bien dit que cet endroit était une sorte d'échec. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qui a provoqué ça? Allons trouver. On doit bien expliquer et explorer cet endroit. Quelqu'un pourrait être capable de communiquer avec nous. C'est notre seul espoir au secours, je sais plus parler. D'en apprendre plus sur les faits et gestes d'Amélie. Fin Dieu. Ouais, mais c'est un bidonville leur truc. Elle est où la cité des sciences là, les gars? C'est tout cassé. Ishpin Kaput. On a le Valhalla au milieu qui se tape... Mais... Il doit bien y avoir quelqu'un autour d'ici qui sait parler français. Et sans aide, on n'arrivera jamais à comprendre ce que les gens disent. C'est ça, les traducteurs, ils ont dit « Bon, c'est bon, on va leur mettre une cité ou... » Oh la vache. Ok. En tout cas, ils font des petits sourires, ils ont l'air plutôt sympas. On va visiter, hein. On va visiter, on va ramasser des trucs. On va essayer de parler aux gens. Ah! Je peux vous aider? Oh, il parle notre langue! Eh, ce type parle français! J'ai deviné que vous étiez pas d'ici. Alors, qu'est-ce qui t'amène à notre humble Kalium?
Est-ce que le monde de la surface est aussi nul qu'ils le disent? Est-ce que les changements climatiques a enfin rattrapé son retard? Vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Amélie? Elle pourrait... Ouais, ouais, bonne vieille amie se terre dans son laboratoire sophistiqué tout au long de le jour et de la nuit. On peut entrer par effraction dans son laboratoire? Seul le président, Maître Cadium, a la clé d'accès. Et il n'apprécie pas les étrangers. Tch! On ne peut même pas parler aux gens. C'est quoi leur charabia? Oh, ce sont juste des idiots. Quand le président a pris le contrôle de la cité, il a fait quelques changements. Des choses se sont dégradées assez rapidement. Bref, j'ai des réparations à faire. À plus tard. Ah bah d'accord. Donc, on va devoir gagner la confiance de ce président ou je ne sais quoi si on veut avoir accès au laboratoire d'Amélie. Ne devrait-on pas suivre ce type? Il est le seul avec qui on peut communiquer. Ça vaut le coup d'essayer. Il est parti vers l'ouest. Allons-y. J'avoue, il a pas un Google Trad ou un truc. Oh, j'aurais bien aimé. Il n'y a pas des... Pas des hautes herbes, mais du plancton ou une algue pour qu'on chope des nexomons. Il allait par là. Hein. Il y a pas de zone de farm ici? Peut-être pas en fait. Ouah, tes griffes. Ouais, ouais, ouais. Un bouquin Albed, oui, quelque chose. Ah. Tadam ! Oh ! Bah oui, mais non, mais... Mais une vision de la glace ! Pourquoi y a tic-tac-boom ? Oh, yes ! Coucou. Ah non, c'est pas le bon. C'est pas le bon, c'est bleu mais c'est pas le bon. C'est pas grave. Si, c'est grave. Crap. Lui, c'est celui qui évolue en truc rigolo, là. Allô. Et coucou, Momo! Et bah, petit coucou à toi aussi! J'espère que tu vas bien! J'ai pas vu le pourcentage. On est bas? Et encore félicitations pour ta nomination au Minitel Boy! Y'a pas eu de mort! Parce que je suis une professionnelle! Et ces esprits libres de la mer ont des pouvoirs naturels et qui restaurent les écosystèmes entiers. Ils se déplacent en groupe et partout où ils vont, les récifs coralliens se colorent. Incroyable. Lui devient trop mignon après. Ah d'accord, il y a quelqu'un qui son nom c'est Deuxième Compte. Quoi ? On va faire Dozy. Non, tu viendras pas sur moi, chat qui pue, je me suis dépoilée avant le live, là. Tu me fous tes poils partout, j'en ai marre. Oh, j'en ai marre. Oh, j'en ai marre. Tu me fous tes poils partout. Dozy, paf. It's a miracle. C'est incroyable. Mais non, mais non. Ceci, c'est un live professionnel. Tout se passe bien. Ah bah il est là. Parfait. Voulez-vous tant que ça m'aider dans mes réparations? Ok, je vais vous donner du travail, mais je n'ai aucune récompense de folie pour vous. Hein. Il y a 4 générateurs qu'on doit réparer pour garder la cité à flot. Compris? Mon nom est Derek, au fait. Et protégez-moi des nexomons hostiles et on est bon. Mais bien sûr qu'il est beau ce chat qui pue. Qu'il est beau. Ah mon doudou, tu es beau, t'entends, on te dit que tu es beau. Ah oui, c'est beau. Il le sait en plus. C'est ça le pire. C'est pas ça qu'il faut réparer? C'est qu'il le sait qu'il est beau ce couillon. Bouze. Ça non plus, c'est obligé, c'est un petit. Bouze. Ça, c'est une tête de petit, ça. Ouais, c'est ça. Je le chope.
Il est confus. Ah, on va peut-être les choper là, tous les moches en fait. Dans une cité moche. Yes, bouse. On a qui après? Thomasin. Et coucou rétro! Est-ce que ton humaine va bien? Est-ce que tu traites bien? Est-ce que tu me traites bien? Oh mon dieu! Il est en flip, mais de ouf! C'est un truc de ouf. Hier, il a passé toute la soirée, quand on avait fini le live FF Tactique, là, prostré à côté de Lévi, à me regarder à faire des cartons. Il est. Je pense que le stress monte. On dirait un Stitch qui a foiré, le pauvre. Ces noxomans effrayants sont en fait moins dangereux qu'ils en ont l'air. Mais ne les laisse pas. Ne les laissez pas te duper. Ils ont tendance à perdre les gens dans la nature, soit en les effrayant, soit en les induisant en erreur. Les salopios. Et bah ce sera doux. Ah! Alors. Non! Non, Dark! La réponse est non! Oui, Prozin a son exomon qui s'appelle d'ailleurs Prozin. Tout à fait, monsieur. Tout à fait, Thierry! Non, mais c'est ça. C'est gentil de t'inquiéter, non mais allô quoi. J'hallucine. Mais ils sont où ces trucs là? On fera ça la prochaine fois. Hein. Faut que je retourne à la Tessie. Non, ce soir. J'ai regardé, il en avait pas eu avant. Bah le truc c'est que à la base tous les premiers j'ai fait les subs. Et après, j'ai pris le Discord dans l'ordre. Mais du coup, bah, P, c'est loin. Et je viens juste de commencer ce soir, les gens qui étaient pas co. Donc du coup... Oui, bah bien sûr. Ça, on entend direct hein, quand il y a des trucs comme ça. Clape, clape, Dark. Clape, clape. Bravo. Alors attends, il est où? Prozin. Surnom. Hop. Il est là, Prozin. Voilà. J'aurais pas dû me sub. Nya, 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 nya. Faut pas dire ça. C'est gentil de vous sub. Merci beaucoup. Subez-vous. J'ai besoin de manger. Ah, mais elle est full, ma boîte, là. Ah bah non, attends, c'est pas possible. Faut que je déplace mes morts. Ah. Ah, faut que je déplace mes morts. Mince. Mais bien sûr, ce pas le partenariat, yes. Ah, ah. Quelle douce illusion! Ah, ça c'était pas voulu. Marisette qui refuse d'aller au cimetière. Renommée. Base 2. Voilà. Ah oui, dis donc, faut vraiment que je vous fasse ça. Ça déplace le cadavre sans autorisation. Excusez-moi, monsieur, mais je n'ai plus de place. Je suis désolée. ABCD. Ah oui, mais attends, du coup, faut pas que je fasse ça comme ça. C'est qui le dernier? C'est Yuna. Bah Yuna, tu vas être toute seule ici, hein. Je suis vraiment désolée. Désolée, pas désolée, mais... Très bien. Eh bien, écoutez, on va sauvegarder. On va s'arrêter là pour ce soir.
On reprendra demain Swear. On ira faire sa quête là, parce que si je commence à me perdationner dans les dédales, ça va être compliqué. En tout cas, bah mine de rien, on a bien avancé côté scénar aujourd'hui. On a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 évolutions. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nouveaux Nexomons à pexer encore. Au secours. On est quand même qu'à 132 sur 381, quoi. C'est... Waouh. C'est... Ouais. J'ai l'impression qu'on en capture genre masse. Mais en vrai, il y en a encore masse à choper. Mais non, mais c'est ça, c'est ouf. C'est ouf. Après, en comptant aussi que la majorité ont deux niveaux d'évolution. Donc bon, je vais regarder. Là, peut-être qu'il y en a qu'on a chopé ce soir qui évolue pas ou je sais pas. Je ne sais pas. Je vais check ça. T'as fini l'histoire avec 60 nexos? Ah ouais. Bah, j'essaye d'en capturer le plus possible. J'essaye quand même d'en choper le plus possible. Enfin bon. Du coup, on reprendra ça demain soir. On est quoi demain? On est jeudi. Hein. Oui, c'est ça. Par contre, il n'y aura pas de Nexomon vendredi. J'ai fait une petite modification. J'avais noté ça sur le Discord. Mais pour ceux qui n'ont pas vu, je ferai full multi vendredi soir. On se fera la saison 2 de Fall Guys et après à minuit on enchaînera sur du Among Us. Voilà. Voilà. Ça me donnera le temps moi de farmer bien comme il faut ce week-end.